Piloukezye, c'est aftershock là. Piloukezye, c'est remède bousier là. Piloukezye, c'est parole en pile là. Piloukezye, c'est fanatique, c'est internet là. Piloukezye, c'est rendez-vous chaque dimanche sur Télévision Caraïbe, 8h. Piloukezye, c'est moins de barrière là. Hey! Tando jolé, on va qu'on rigolo. Piloukezye, mais chaque fin annonce un nouveau départ. Pile loin qu'Ezier, 16e saison, saison inédite, j'aime toujours aimer dire. José Anobalguin, sous plateau Pile loin qu'Ezier, yon un grand animateur, yon un grand artiste peint, et son critique aussi, dans sa li même, li fait pendant 30 ans de carrière que le gagne dans affaires musique. Peut-être tout, gen moun qui connaît comme écrivain, l'aime dire écrivain, et monsieur écrit pile. Texte pour des formations musicales et aussi son monde le connaît comme on l'aide dans les affaires musique en Haïti. En tout cas, c'est pas une très belle show avec nous sous plateau Pile loin qu'Ezier, moi-même et puis toute l'équipe Action Graphique là. Jingle! Avec Stainless Hailey Makeup. De nos jours, mesdames, yo, pas maquillé tête yo pour continuer encore. Yo pral en bal, yo pral en mariage, yo pral en fête, yo pral en ménage, yo just really dans le numéro ça pour y aller checker avec Stainless. Et Stainless, bon, nan refait visage. Si nan regardé bien, nan pas exactement ça lié. Bon, c'est déjà pas trop mal, mais Stainless mettez. Puis bon, Richard Store, référence aux affaires habillé moun sous télévision. Richard Store, pas gain pareil et n'a regardé pendant 5 ans sous passé yo Junior Rigolo pas jamais mettait un rad deux fois et souvent mettait des rads qui est nouveau qui a la mode c'est ça qui fait store là il y a deux adresses yon a rue Gopétion numéro 26 et puis Chanmans avenue Mani numéro 3 checker avec Richard Store les lâcher dans Richard Store nous supporter choix et nous supporter ça qui bon tout en fait sous plateau Pile loin qu'Ezier. C'est presque n'a pressé pour nous jeune invité parce que c'est un invité qui peut-être pas participer dans l'émission parce que les mêmes activités palio et puis c'est pour monde tout qui trouve même une interview s'il pas une activité bien déterminée que l'a fait. En fait, Action Graphique on pral mener nous avec caméra Paola sous Pipo Saint-Louis, Philippe Saint-Louis. Yon un grand m'a dit encore, yon un grand animateur, yon un grand artiste dans le pays, yon critique. Je suis critique d'art, je sais pas. En tout cas, Action Graphique, Pipo Saint-Louis, bam! Bon, me rappelais, l'aime fait cap parler pour Borders Passy. Et Philippe Saint-Louis, c'est un monde. Peut-être que je vais comprendre ça bien tard. Si je comprends le bonheur, tout, je dis que je vais avoir une tête enflée. Et qui te dit que mon cher, chaque fois que je prends la parole pour Borders Passy, ou rappelez le fameux Lavalassien à l'époque, monsieur Mario Dupuis, son équipage, j'aime garder la caméra. Que la bonne vérité, que la bonne menti, je ne vais pas garder la caméra. Mais j'ai bien fait le job là. Mario Dupuis, il me rappelait que je parlais avec mon levon de Vini dans l'émission. Mais je ne sais pas pour qui ça vient, petit moi-même. Ou peu. En fait, madame, je suis venu.
Et n'a pour rendez-vous le Mario Dupuis et puis on pas dans pouvoir ça non Mario. Ça qui passé et qui ça qui passé? Ou t'es dans branche qui pirose là? Parce que ça on dit Jean Violette. Pas de problème Mario donc qui la balague et Philippe c'est lui. Non c'est quoi ça show à fait? Comment est Philippe? En forme junior et m'a salué et m'a remercié pour l'invitation et tout et puis m'a salué toute équipe et Axiom là. Donc bien plaisir pour moi faire émission ça avec vous les petits temps parce que c'est peut-être pas la première fois de parler de lui et j'ai pesé le pour et le contre avant que finalement moi accepte l'invitation so là tout que moi et avec un peu de plaisir pour nous bah qu'on est éclairé et, oui nous parler éclairer mon Dieu c'est en tout cas c'est passé pour une émission qu'a fait même j'ai avec toute l'autre émission mais c'est une émission qui a plus d'intérêt là-dedans et me connaît depuis et l'émission ça a commencé ou pas j'ai un feedback là tout. Okay. Donc, Kabazou, pour qui ça s'est consorté de telle parole, je ne t'ai pas dit ça, c'est des gens qui ne peuvent même attendre, parce que c'est comme ça chaud à fait. Mais en passant, bon, c'était une porte-parole carnaval et de Port-au-Prince l'année dernière, et Philippe, tout, les balles étaient compliquées, et patron, tu es obligé de mettre main dans la patte, patron, c'est Philippe. Philippe fait une interview en présence de Scoop FM. Après ça, je suis le Bernier Sylvain, qui c'est un bon ami, je dis. Malheureusement, la mort existait en étant que Philippe n'a pas supposé mourir. Et puis, bien dit, mais nous, mon cher, men, Philippe n'a pas pour mourir, mais il est même quitté derrière. Quoi mettre en lui? Bon, bref, c'est sa façon pour me dire que moi-même, son fierté, pour me connecter avec Philippe sous plateau, ça a démontré tout simplement et carrément le travail là, il commence à faire. Philippe, c'est lui. Grand des gens qui ne sont pas qui sont juste qui sont avec plusieurs yeux, il y a des gens qui sont comme prétentieux, il y a des gens qui sont. Comme un monde qui est strong, des monde qui voit comme critique enragé, l'on en zone comme si bagay qui négatif, bagay qui médiocre pas capable. Mais en fait, Philippe Saint-Louis c'est qui est tout d'abord et carrément. Bon, Philippe Saint-Louis c'est bon, c'est une question difficile où parler de tête. Bon, en bas c'est que bon perception que j'ai de moi qui est fausse à mon avis. Et effectivement, puis le monde dit que je suis prétentieux. Et parce que je suis un qui réservé, je suis qui sous monde, je suis un qui envahit l'espace monde. Et les gens dans l'espace public, généralement, ou après, je cherche un côté, je suis pour comme, tu vois. Et peut-être que le côté de campé, si on venait pour parler avec sérieux, je suis senti que la présence n'est pas nécessaire. Si on n'a pas parlé avec sérieux. Est-ce que ça, c'est ça, prétentieux hein? Bon, je ne crois pas. Et nous sommes qui de bon voisinage, nous sommes qui très proche de deux amis moi, nous sommes qui ont de très bonnes relations avec famille, mes amis et mon qui travaille avec moi et pour ne pas dire relations presque intimistes même avec donc monde qui connaît même pas j'aime pas mon qualificatif ça. Nous sommes qui en pile humilité, je connais mes limites. Mon zam gaffe, pas jamais essayer faire rien comme connais pas gaffe. Et nous sommes un qui très nous sommes haïtiens qui remet pays en pile. Me fait des choix qui pouvaient parce que à plusieurs reprises me vivre en dehors de Haïti et dans toute famille à l'extérieur, toute famille résider, mais c'est seulement qui pas résider qui toujours kembe et qui pas jamais intéressé à ça tout. Et moi parce que à ma manière moi contribuer pour Haïti était cas différent, me combattre ça me pense qui méritait combattre. Et il y a un peu de monde qui a un problème avec moi par rapport à peut-être le fait que me direct et la vérité pas contre gentil, pas contre doule, pas contre méchant, la vérité était la vérité. Et c'est pas tout le monde qui est prêt pour recevoir la vérité hein. Donc je pense que la majorité de monde qui parle mais moi et le problème que j'avais maintenant surtout venu du fait que me dit ça me pensait hein, tu vois. Donc c'est ça on est compliqué, ça veut dire que mon perception qui fausse. Totalement fausse. Ok, mais Philippe, c'est lui qui a grandi. Parce que la petite histoire racontait que, en fait, la petite histoire racontait que, où sont qui grandit apparemment pour contour après 86. C'est-à-dire qu'il y a des situations que vous vivez dans la vous, et par rapport à un gros potentat, et dans le gouvernement du Valia, par rapport à obligé après exil, Philippe Saint-Louis était jeune petit élément qui presque fait la ville pour col. Et en fait, où sont-ils pour prendre les deux mêmes. Parce que quand même, on est par rapport à l'exil et pour être là, pour former tête au niveau ça, mon cher, si par rapport à la jeudi à la capable de se faire là. Oui, bon,
pas ta content c'est moi que t'es Jovenel là. Ce pays ça a très trop problème. Nous t'es en ville en place Jovenel, même pas en vie Jovenel. Ok. Non, on comprend. On comprend. Donc, moi grandi là, pratiquement dans l'atmosphère familiale qui est très traditionnelle, je suis capable de dire. Ça veut dire que l'ancienne famille haïtienne a sauvé avec une série de valeurs, tant qu'on mangeait à table, on pouvait manger le matin, on ne pouvait pas lever sur la table, on pouvait manger. Mm-hmm. Et les grands n'ont pas la voix pour baisser tes taux, tu vois. Et avec un parent, avec un papa qui était très musclé, là, j'ai appelé Venon, il était très affectueux, tout, mais également très musclé. Et j'ai presque envie de dire une atmosphère paradisiaque. Mm-hmm. Et mm-hmm. Jusqu'à mes 13-14 ans, ça veut dire, on a bonne école, tu vois. Et socialement, on a une représentativité, non parents, on voulait zoomer dans la société, tu vois, avec toutes les facilités qui viennent avec ce genre d'avantage. Et puis, il y a eu un changement de décor après 86. Et papa, c'est un duvalieriste, notoire, ça veut uh-huh. dire. Nous sommes produits du duvalierisme, même pas j'aime me cacher. Et ça m'y est aujourd'hui, c'est que l'origine, il y a pour quelque chose, uh-huh. tu vois. Donc, après les bouleversements de 86, et pas m'obliger à quitter le pays, tu vois. Et nous avons subi quelques tentatives d'échouage à plusieurs reprises. Et je viens retrouver moi à mon âge assez jeune, comme j'aime d'ado, sans papa. Et même les mamans étaient là, mais c'était va-et-vient tout, tu vois. Et donc, ça a été difficile, que peut-être que je suis obligé de travailler très jeune, uh-huh. tu vois, ça n'a pas fait partie de plan, yo. Uh-huh. Et je commençais à travailler à l'autoclinique, et avec Canary Demon. Uh-huh. Et Canary Demon, Ougan, il faut dire ça, c'est aussi Ougan. À l'époque, il n'y a pas Ougan. Uh-huh. Mais monsieur a l'élection, monsieur pas bon. Donc, monsieur manqué pour faire ces bails-là. Il faut quoi? Je vois, je suis dans le département et vendre pièces de décoration pour machines. Uh-huh. Et après ça, je suis quitté à l'autre clinique, je suis allé travailler à l'immigration. Je suis inspecteur d'immigration. Ok. Je suis allé travailler à l'immigration. Bon, ouais, ça, c'est des découvertes quand même. Je suis allé travailler à l'immigration. À uniforme blanc sous et chemise blanc. Uniforme blanc sous moi, normalement. Ouais. De l'immigration okay. et sous la LUA, dans un okay. premier temps. Et puis après un temps, je viens voyer mal travail à un côté qui vient me faire plus comprendre la vie. Je viens de voir moi bicentenaire sur Wafla, okay. dans le département qui a accueilli les gens qui prennent le ok. Et là, je viens de commencer avec des images qui sont vraiment terribles. Et deux gens qui ont 5 jours sous de l'eau, qui ont venu jouer nous, qui n'ont pas baigné, qui ont senti fort, qui n'ont pas la voix à l'aigneau. Mm-hmm. Et puis, on regarde le désespoir, mon Dieu, qui ont comme si compris. Puis, et qui juste attend le prochain bateau pour le retourner, mm-hmm. malgré tout le risque qu'il y a là-dedans, tu vois. Donc, ça, on dit, j'ai envie de faire moi réalité à tout. Et en 94, les Yapmene, Jean-Bertrand Aristide Tounet, et à l'époque, les Blancs ont débarqué tout le bas, les Samtap Travail Bissat et tout, c'est un très mauvais moment tout, de obliger à le cacher, Blanc, Patrick, tout le coucher à tête, tout ça. Donc, après ça, j'ai fait choix et aller aux États-Unis. Mm-hmm. Mal fait tentative à vivre aux États-Unis. Et mes formes de toute époque, ça tout. Et m'a fait une note, m'a l'école nationale des arts, m'a pas pris une peinture, m'a pas pris une art plastique d'une manière générale. Mm-hmm. Et moi, je viens quitter Haïti, m'aller prochaine semaine à New York. Mm-hmm. Et là, je viens à New York, je commence à travailler, je viens à travailler dans le restaurant New York, le Queen Creole Restaurant. Où est-ce que c'est bien? Oui, je travaille dans le Queen Creole Restaurant. Donc, qui sont offerts? Tu es serveur? Des serveurs. Ok, donc. Des serveurs. C'est un restaurant familial, mais c'est ça, je fais grave. Des serveurs dans le restaurant. Et puis, je lave l'assiette, tout le bagage, descendre, la neige, tout le bazar. Mais ce n'est pas déshonneur. Le président Préval, tu travailles dans le restaurant New York. Il y a déshonneur, justement. Oui, c'est ça. Ce n'est pas dire de bizarre, là, ça. Et d'un des grands projets qui fait me faire l'eau. Et parce que laisse ça le matin je travaille un côté de travail là toute base je vais expliquer ça même jeudi de travail là Queen Creole Restaurant le matin non de travail là City Tropical le matin qui est un magasin CD ok de travail le matin de 8h à 4h et puis à 4h je traverser la Queen Creole Restaurant qui finit fermer à 11h minuit 1h du matin et puis après ça, mal la caille moi,
et puis m'a fait peinture. Donc c'est pratiquement toute journée. Mais on t'a établi presque sans résidence. Oui. Au départ, il n'y a pas d'établi et puis pendant là, m'a regardé moi la performance venir était. Donc puis pour parler anglais. Dégage. OK. C'est ancien modèle haïtien qui conservateur comme il va les français comme il va les bah je me fais effort me faire parce qu'on n'a pas l'anglais me répondre tu okay, vois OK donc et puis après ça mon cher pendant venir là-bas et puis me rencontrer avec un monsieur que le Philippe Lavlanet qui existait toujours il y a qui existait toujours et qui dit mon cher pour ça faire bah pour ça voir vos magasins c'est bien en Haïti et puis il me dit monsieur bon parce que moi je dis mon cher mais ça va faire et la bonne marchandise entre Haïti, demi le guette, mon jeune local, je ne vais pas c'est là-bas, ils ont vu notre aventure magasin CDA. Et puis, j'ai commencé à fatiguer à New York là, bien que je n'ai pas bien pile tantôt, je me suis senti bien en Haïti. Bon, et puis, je suis retourné en Haïti avec Ed Philippe Bamio. Et je me contacté deux trois mon en Haïti, dont Yuri Chevry, actuel magistrat de Port-au-Prince. Bon, c'est ses amis d'enfance quand même, yeah, parce que nous les sommes sur le canapé vers ensemble. C'est clair. Et qui aident financièrement, et puis moi, ouvri. Oh, Yuri, tu as un moyen de mettre pour les deux? Ça ouvre un magasin. C'est pas. Tu as un petit gros bail, tu as déjà une marchandise déjà. C'est Philippe, bon, moi, je traite à 40 000 dollars la marchandise pour me laisser là-haïti. Et puis, donc, Yuri venait de moi dans la location, il se passe là. Et puis, nous, on veut musique à nous. Ouais, musique à nous. Nous veut musique à nous. Et puis toutes les hommes m'a fait peinture en pile doux, m'a voyagé, m'a participé dans deux festivals, le festival Indigo, l'intervalle, ça m'a fait monter à Paris, m'a fait 6 mois à Paris, moi je suis des séminaires à dessin, un atelier qui était la Grande Chaumière, donc, ouais, et puis bon, c'est ça. Donc en pile souffrance, il y a eu des moments très très difficiles, des moments sans parents, des moments à la cacher, des moments à la cacher quand même. Et je vis des moments qui sont très difficiles. Il y a des gens qui sont très connus dans la période ça, très jeune. Je suis jambé frontière avec eux pour les sauver. Et je n'ai pas besoin de citer non, mais un personnage très connu qui était derrière le déchouqué, c'est des machines que j'ai là-dedans, que nous mettons couché tout le long à terre, couvrir avec tapis. Et puis nous traversé sur les barricades, toute qualité de barricade pour nous faire monsieur. Et jambé frontière, c'est le même pour la vie. Et c'est même bagaille, les papas m'appellent Saint-Domingue, c'est sous frontière de la guerre. Et puis, des moto, M. Chita, pour le jeter. Tu vois, donc nous, la guerre, M. Napon, ça l'a devenu. Non, nous sommes plus ou moins un type plan, nous, vous avez dit que, mais nous pas, c'est qu'on s'est traversé. Donc, c'est deux moments difficiles mais qui créent humilité la chaos. Ça veut dire que. Mais moi, au niveau de proche, moi, je grandis moi un papa qui est tout puissant, que mon a fait révérence devant lui, tu vois, et qui a une certaine autorité, qui a un certain pouvoir. Qui j'ai pas porté, le Philippe? Papa, c'est Ulrich Saint-Louis. Ok, mais qui ça, monsieur Théé? Et c'est soit préfet. Papa, m'était ambassadeur d'Haïti, au Venezuela, papa, m'était directeur Nouveau Monde, papa, m'était député de la Chambre sous François. Ok. Et moi, bon, c'est un grand politicien. Un grand mais Philippe Saint-Louis, est-ce que tout ça, l'on grandit et dans l'atmosphère ça, et le tout bagage vient tomber à l'eau, ça pas venir mettre un genre de frustration à la caillou? Non, pas du tout. Parce que. Parce que l'on regarde des petits mouns qui étaient dans la même génération avant, qui n'ont pas de problème ça, et ils ont style la même génération, et pour ne pas vivre avant. Mon cher, le problème ça, c'est pas. C'est il y a deux monde qui gérait après Duvalier et qui était peut-être sorti même côté avec moi et qui gérait le mal, il y a monde qui gérait le bien. Moi c'est ça qui a un rapport avec Jean Parent et Levaux. Et Parent pas te lever nous la facilité. OK, et ça veut dire pas très jeune de faire comprendre que on est faut travailler, les vacances c'est pas à New York qu'on a passé vacances, c'est pas à Paris qu'on a passé vacances, c'est plaisance dans pays Parent qu'on allait malgré les maïs, mal la jardin, quand je te dis qu'on vend maïs, qu'on vend café, tu vois, c'est l'ensemble, j'étais là, guéno, ça veut dire. Et je ne suis pas élevé nous pour nous avoir rien de superficiel là, quand nous, est-ce que tu comprends? Ça veut dire que l'MT Piti, c'est vraiment 13e, 12e, 11e, c'est machine officielle qui t'a bagaille, mais comme il vient à l'âge. Et m'a fait certificat, m'a fait 8e, et par exemple, à l'école à pied, pour tout le monde. Est-ce que tu vois? Donc c'est pour ça que je ne suis pas grandi dans la facilité, comme si depuis 14, 15, 16, on a pris les belles machines. Elle dit, monsieur, tu as appris nous que tout ça que nous devons gagner dans la vie, il faut le mériter. Est-ce que tu vois? Donc formation de départ, ça vient faire nous appréhender des moments difficiles avec une certaine philosophie et puis avec capacité pour nous accepter la situation en général. Ok, Philippe Saint-Louis, tourné à Haïti, il fait musique à nous. Musique à nous,
et marcher parce que presque tout récemment là parce que moi m'entrer pas au prince sorti inch en 2001 m'étais dans jeune musical nous m'étais dans jeune ni mais c'est sûr que si c'est jodi on a pas gagne musical nous parce que album dans sorti WhatsApp gagne tout ouais, c'est sûr c'est on comprend donc temps changé pour ça le faire maintenant bon oui c'est ça vienne bon baisser même avec le cinéma on comprend donc on est venu au movie sur à l'étranger et puis bon chaîne qui est les chaînes 4 ou les chaînes 5 à l'époque c'est sûr cap baili donc pas gagne intérêt OK donc Philippe Saint-Louis tout ça on rentre mais Philippe Saint-Louis était bon en vie de famille madame petite peut-être au mariage en Haïti ou bien à l'étranger mais est-ce que étrange d'histoire ça et nous ca rentrer là-dedans ou bien on veut sauter bien sûr non c'est pas ça n'a rien de grave effectivement on était marié très jeune et me divorce très jeune tout tu vois donc pour n'en pas laisser fiat t'as un problème là pour en avancer moi j'ai avec l'âge moi je me rends compte que nous tous les deux t'as un problème ok et peut-être que nous démarrer trop jeune peut-être que mon maturité me bat bien à moment ça et puis une grande incompatibilité de caractère tu vois une différence de choix sur et puis bon ça n'a pas marché et pas regretter rien et de mariage moi j'ai fait mon petit fils ok en seul et puis après mariage j'ai une petite garçon donc avec même avec mon autre fille avec mon autre donc vous gagnez deux petites il y a deux petits ok donc Philippe c'est lui mais après ça on va jamais nous marier quoi et non n'est qu'à faire cartouche et bon vous gardez ça parce que bon petit gosin mais moi quand t'as marié monsieur dit rigolo et où vous voulez marier me dit oh bien sûr monsieur dit ouais moi-même besoin cherche un moyen pour me divorcer pour mal vivre joie vivre là me dit monsieur ça que ça me dit c'est qu'on va connait mais ça dit c'est vrai incompatibilité de caractère ou pas de lever dans même atmosphère avec vous non de son comme si sans pile concession pour faire relation ça les mêmes vivre à deux son bail qui est difficile son bail qui est utile mais son bail qui est très utile qui est utile qui est difficile dis-moi il y a un pile bail le mariage que je regrette tu vois que me songer mais j'aime de lire à tout ça que fait dans la vie gros réseau fait le fait même pour les gens apitoyer me sur moi par rapport aux mauvaises expériences de me paraît quoi que gain mauvaise expérience ou bien gain bonne expérience me pense que expérience tout simplement et l'expérience en soi est quelque chose de positif parce que chaque fois fait expérience on gain plus maturité on grandit plus et pour plus comprendre l'environnement pas gain problème pour la vie ou pour la nuit action graphique jingle Philippe Saint-Louis, Pipo Saint-Louis. Nous avons pile bail pour nous parler. La fondée sur son côté avec Pipo pour nous vont côté. Parce que j'ai deux monde dans couyo Philippe pour pas qu'on arrive pour tomber à prendre un paquet de causer. Faut que yo connait côté souché, côté sorti originaux. Bon pas de connait c'est pas pour aider monde dans nord. Vous comprenez Papa c'est mon plaisance. Mon plaisance, on pas de connait c'est pas pour traverser son moto. Un officiel dans niveau ça traverser son moto à l'époque c'est bon. C'est triste, réalité dure à avouer quand même. Oui, mais dans un moment difficile, monsieur a toujours été digne, monsieur a accepté la situation. Ça veut dire que j'étais toujours un leader, là, monsieur. C'est pour les qui flanchaient, qui craquaient, c'est son bail, monsieur fait avec toute fierté. Et c'est un bail que moi, je pense qu'il manquait l'envie. Et tout le temps, je pense à ça, c'est. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon. C'est la vie quand même. C'est la vie. Les nous venir, faut que nous allions. Et même nous divine nous belle. Allez nous l'aide. Philippe Saint-Louis pour la vie ou pour la nuit. Tamara Orion, porte-parole. Alors pas en fait porte-parole principale quand même. C'est une porte-parole présidence là. Et pour la vie ou pour la nuit. Et ni une ni l'autre. Philippe, faut pas qu'à dire ni une ni l'autre. C'est pour la vie ou pour la nuit, quand on parle français, on comprend français. Non, je comprends, mais ça veut dire que faut mon incite au dans deux sens. Pour moi, Tamara, c'est un monde que et un journaliste que me gagne en pile respect pour lui, de remettre en délit, de communiquer avec lui, elle est dans le téléphone et écrit, dit moi mais ça l'a fait et bon et donc j'ai dévié à mon avis, elle a une porte-parole et actuellement gouvernement. Un gouvernement que tu as critiqué en pile. Et bon, quand si j'ai envie de faire peut-être que je réfléchisse aux appréciations que je suis pour Tamara Orion. Et qu'il a jamais été un journaliste très objectif. Bon. Et bon, c'est la vie, elle a fait son choix. Peut-être
personne pas critiquer, mais ma perception a changé depuis là. Moi même si on a mon qui semble avec dans la télévision pile lui même j'avais c'est tao comme si ta maraba j'aime pose aux questions pour sentir en face où son pour moi son journaliste extraordinaire. Ouais ta maraba pile mérite et me rappelle tu as frangin que tu mettre le sous chaîne 4 tu connais qui te les Barthélemy me rappeler Patrick Barthélemy pas même voulait mettre ta maraba sur télévision et tu l'as ta maraba qui était clair ta maraba te cover pour la vie ou pour la nuit Marie ici bonhomme. Et ni une ni l'autre. Oh! Philippe, ça passe là. C'est encore un journaliste que nous trouvons qui est excellent dans le travail à faire. Et qui est très direct, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a une très bonne articulation. Et son bon journaliste, donc je suis pour ça. Je ne suis pas là du tout dans le sens. C'est un garçon qui a une femme. Tu vois, Ou pas well. Non, il n'est pas inspiré à rien dans le sens ça, mais il était au monde que. Il y a un peu de respect pour lui. Mais je cherche un bail qui peut être bon pour vous. Pour la vie ou pour la nuit, Richel Guillaume. Et pour la nuit, oui, ce serait assez. Pour la nuit, ok. Ça pourrait être intéressant pour une nuit. Pour la vie, je ne sais pas. Ok. Pour la vie ou pour la nuit, Fatima. Et bon, Fatima, son belle femme, pour une nuit avec elle, elle va te déranger tout. Ok, donc on a aucune chance. Bon, vous tournez dans la salle de encore. Ouais, pas de chance. Parce que où mon gars voulait pour une nuit, ou pas carré les choses, ça va veut dire qu'on pas t'a voulu mon gars pour la vie tout, non? Parce que faut bien comprendre. Ces communications à faire, mais pour vouloir mon pour la vie, bah, c'est son cheminement lié, son travail, il faut apprendre qu'on mon là pour garder si. Caractère compatible. Donc ça veut dire une femme d'un coup Fatima ou bien une femme d'un coup Richel, si je me rencontre avec lui et puis je me rends compte que nous avons des points communs, je vais envisager pour la vie. Pour le présent moment, j'ai le regard du mal, c'est deux belles femmes, c'est évident que passer une nuit avec eux, pas de déranger aucun garçon. Pour la vie ou pour la nuit, Liliane Pierre-Paul, journal 4R. Liliane Pierre-Paul, je pense que son personnage que par rapport à respect que j'ai pour lui, je n'ai pas osé même penser à des choses comme ça, tu vois. Et pendant que ça, ce n'est pas que moi retrouver toute Liliane dans toute action. Nous sommes produits de Duvalérisme. Liliane a le Duvalérisme en horreur par rapport à l'expérience vécue. Ça veut dire que je grandis dans les Liliane qui a shooté sur papa normalement la radio, tu vois. Donc, alors, est-ce que c'est shooté ou bien la dire pour moi, c'est shooté. Pour moi, c'est shooté. Ok. Pour moi, c'est shooté lié. Et est-ce que ça l'a dit, c'est vérité, c'est pas vérité, c'est... Même là, il a parlé de papa, mon papa Lazade me dit tout ça, il était fait, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est la ton attitude intéressée. Mais le père que j'ai connu, pour moi-même, c'est un bon père de famille, et puis son monde tout, qui était un peu l'amour, la zone, la plaisance, toute qualité de bagaille, tu vois. Et je dois te dire que nous avons évité le déchoucage, justement parce que nous avons un comportement la quartier côté Niyal, donc les foules, là, t'as pas devenu déchouquer nous. Il y a eu deux mondes qui s'est mon canapé fait qui était posé ou qui empêchait ça arriver. Donc c'est alors c'est pas au courant mal été qu'on fait, c'est pas dans la zone, c'est pas dans la zone, pas je me pas au courant de lui, je n'ai pas connu ça, tu vois. N'aime pas dit que Liliane était qu'on a dit bah joli, non, mais il était qu'on attaqué secteur que le TIA. Donc moi en tant que jeune, ma victime de déchoucage par m'a jeté me patati patati monde qui comme zim dadou gain discours qui ont dit aller dans ce sens, ça c'est tout à fait normal comme zim dadou ce monde dégage problème avec lui. Tu vois, et que bon, avec le temps j'ai compris que cette dame là a été victime de certaines choses, ouais et que il y a des réactions qui légitiment par rapport à ce qu'elle a vécu. Tu vois, donc il pas empêché me venir gain recul pour moi considérer mon n'a pour s'allier. Donc moi c'est que Liliane, c'est me répéter encore une fois, même pas sur même longueur d'onde avec tout ce que Liliane dit. Mais Liliane était une nécessité dans la société qui n'a pas une icône, dans la société qui n'a pas un modèle. Modèle positif. Donc, je crois que il paraît que moi, il était très arrogant de ma part, il a osé dire Liliane pour la nuit ou bien pour la vie, tu vois. Et que non seulement, je ne sais pas, mais juste Liliane, tant que rare échantillon de personnages en Haïti qui vaut la peine que certains jeunes prennent comme modèle. Eh bien, ok, pour la vie ou pour la nuit, châssis. Ni un ni l'autre. Non, pour qu'a fait ça, Philippe. Non, ni un ni l'autre. Et châssis, c'est son bel petit, pour moi, son petit monde. 25 ans. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire un petit monde 25 ans. C'est pas samedi. Bon, laisse ça, chanter la musique de l'évangile à Mdou. Qui dit, femme n'en fait péché, mais hélas, pas de monde qui cap trompé Jésus. Mdou, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire que je ne vais pas faire, mais je vais dire que son petit monde,
et l'aime garder le cap parler la télévision, l'aime garder réflexion libre. Bon, moi, son petit monde, comme tu as dit, que l'esprit pour quand même finir de développer. Ok. Et physiquement, elle ne correspond pas à mon type de femme également. Donc, et elle est jolie, mais les femmes, généralement, je les préfère un petit peu. Un petit genre forte, ou ouais. Bien bombée, bien galbée. Bien ronde. Tu vois, et comme ta maquilleuse là. Ouais, ouais. Stainless game by number. Ouais, ça va me parler. Tu vois, donc. Et bon, c'est son jeune artiste qui a un rêve, qui a un talent, je souhaitais que le réussisse. Pour la vie ou pour la nuit, les gens qui ont vie ou qu'on y a là, alors s'ils sont seuls, si c'est plusieurs, tout comme nous, on a ou c'est mon qui parle d'or. Si c'est plusieurs, bref, si c'est un tout, c'est pas intéressant quand même pour le temps qu'ils ont pensé de lui. Bon, ça veut dire que pour la vie, c'est un projet. C'est un projet qui vient avec le temps. C'est que la génération Kounia a tendance à sauver, entrer trop vite dans une série d'aspects qui voulaient dire pile bagarre dans la relation. Elle dit Kounia là, ça veut dire que ou pour un église, fait mon ménage, il est abdomé avec elle. Ouais. Pour passer le week-end avec elle, tu vois. Donc, je pense que c'est mauvais et c'est ce qui tue les couples. Parce que je pense que moi-même, moi, t'es marié justement parce que je pensais que quand le bagage me devait la même fille à seul, j'aime te joindre, c'était marié. Marié ou t'es marié. Elle dit pour me te joindre, fils, ça me dormir avec elle, faut me te obliger à marier. Elle dit que c'est peut-être assez conservateur comme attitude, mais trop rétrograde. Donc, bon, ouais, bon, c'est rétrograde quand même. C'était ça. Un moment, ça, c'est consulté, tu vois. Et donc, pour moi-même, pour la vie, son cheminement lié. Avait dit que bon, c'est créo. Mais en fait, c'est ou bien on monde envie ou on monde. Et bon. Donc, c'est difficile à répondre, mais quand même. C'est pas difficile à répondre. On monde l'envie ou ça. On monde l'envie ou c'est son gros bol lié. Ou les autres paquets de bagages. On monde l'envie ou. Tu vois, moi, je joue pas avec les mots. Tu vois. Et m'te gen wagen 20 femmes et puis m'gen un seul monde dans la vie. Ouais. Tu vois. Donc, monde dans la vie, là, c'est son choix lié. Donc, soit pas, t'en m'en dis, c'est mon seul ménage, c'est m'gen deux ménages, c'est m'gen trois, c'est m'gen quatre. M'en pense que. Je me répondre, peut-être Jean t'a souhaité me répondre. Non, pas moi-même, public là. Je me répondre public là, tout Jean t'a souhaité me répondre. Ou c'est journaliste, parce qu'on dit que je joue à moi. En tout cas, pas de problème. Pas de problème, Philippe. Pour mon avis, j'aime tout là, son groupe. Oui, son groupe. En tout cas, en attendant, on a vu les tous. Mais il y a plusieurs personnes qui, parmi nous, même, dans le style de yo qui te couvrent Valérie Numa, monsieur divorcé, Valérie, c'est Katouche. Johnny Selikou, monsieur, bon, pas contre divorcé, Katouche a voué. Et qui est encore Henri Jean. Bon, Henri Jean, lui, bon, il voit ses Katouche lui-même, il y a un monde qui l'a. Bon, on voit un monde qui l'a. Plusieurs monde dans la génération, comme ça. Vous comprenez? Oui, pas la génération, non, ça veut dire, monde là, c'est un monde de Katouche. Un monde de Katouche, bon, voilà. Que qu'on est tout le monde, j'ai une munition, garçon pour femme. Alors, non, si t'es là, excusez-moi, c'est parce que je connais nous. Et il y a d'autres qui connaissent toujours, même pas oser citer nous, parce que nous sommes des gens. Et ou dit bien de eux ou parlez mal. Ou dit mal de eux ou parlez mal. En tout cas, pas de problème pour la vie ou pour la nuit avec son graphique. Bow! Philippe Saint-Louis, fais une émission avant, même genre avec tout l'autre monde, venir comme si fouiller son calalou. Pour moi-même, c'est après raté une occasion pour me prouver à la face du monde qui est ce qui est devant nous. Nous avons fait un vrai fond chaud avant, côté que, et nous c'est un coup où archive là dans mon, archive mon yo, archive musique là, archive presque une carte d'un parti dans le pays dans mon. Nous avons préféré à le puiser dans ça au lieu que m'a venu demander est-ce qu'on fait figer des petites déjà. Bon, peut-être que vous avez comme ça, qui est la question aux réponses aux yeux, mais nous avons préféré par la voix pour nous voir qui j'ai bagaille au fait. T'as coup, on prend avec t'as coup Jean Raymond. Comme si on était avec Jean Raymond, tout pour nous dire Jean Raymond, mais au fait. On va parler de qui Jean Raymond. Jean Raymond Lecomte. Jean Raymond Lecomte, ingénieur. Alors, bon, pas ingénieur, Jean Raymond, mon ami. Pas ingénieur quand même. Mais nous, on vient avec le temps. Alors, vous avez même dit ça, me pensez de monsieur. Bon, c'est ça. Il y a plusieurs gens qui m'ont demandé de ça parce que c'est des gens qu'on connaît. Jean Raymond Lecomte, pour moi, c'est son rude travail. Là, moi, j'ai un moment qui vient dans la tête, moi, c'est travailler. Son rude travailleur, son nègre qui, à mon avis, par contre, d'autres soient familiers, mais je ne sais pas si son nègre comme si qui était bien facilité. Moi-même, moi, quand j'ai un moment, tu as fait son la machine, l'autoclinique. Pour le calendrier des mondes. Pour le calendrier des mondes. En tant que Delma 20, je ne sais pas si j'ai Delma combien. C'est j'ai un moment qui était responsable de mettre sonorisation la machine. Tu vois? Et
monsieur était réputé à l'époque tout, ça veut dire que dans les années 89-90, c'était un gros bagage, on a une machine qui bien sonné, mm-hmm. tu vois. Les hommes, les machines qui étaient non solides, ils ont d'ailleurs Auguste, les machines, on croit Céleste qui était écrit Kiliki qui solide. Donc, toutes les machines, les gens ont besoin de bien sonner, c'est Jean-Rémo pour faire son pour. Donc, Jean-Rémo vient une référence dans la ville là, ça, parce que tout bon flâneur qui a une machine qui a fait bite, c'est Jean-Rémo pour faire son rôle. Et machine Jean-Rémo, tout le temps, vient de jouer nous, c'est l'impression que son appareil. Donc, pour moi-même, l'expérience dans la sonorisation, Jean-Rémo commençait là. Et à partir de ça, je crois que c'est Carl-Henri Desmonds, ça me dit, je crois que c'est Carl-Henri Desmonds qui vient prendre Jean-Rémo et puis qui mène Jean-Rémo à le faire son. S'il était qu'on fait l'avant, mais le premier jazz connu que Jean-Rémo fait son, à mon avis, c'est Zinglin Gary Didier Pérez. C'est Jean-Rémo qui vient faire son, la Stekini. De là étant, et puis Jean-Rémo vient pour une dimension ragée, c'est à l'autre de Jean-Rémo en Australie avec beaucoup d'expérience, Jean-Rémo tout partout. Jean-Rémo pratiquement vient baisser suprématie les frères Widmayer là. Ça veut dire que référence son avant Jean-Rémo c'était les frères Widmayer naturellement. Et Bobby Denis Patron qui était spécialisé dans faire son de yo, c'est surtout dans le studio, mais on était les frères Widmayer, on était Wallon, on était Ernst Denis, on était tout le monde qui a fait son. Et donc Jean-Rémo pratiquement changé d'honnêteté. Ça veut dire que Jean-Rémo vient pas être comme maître des lieux. Et zone 91-92, il devient pratiquement incontournable. J'ai vraiment la toute grande activité. Mais c'est un nègre comme Zindazo, son ingénieur de son spécial. Il fait électricité. Ça veut dire que monsieur connecté Jazza, monsieur fait son. Et donc là, ça, monsieur a fait pour moi, monsieur son mais jusqu'à présent. Pour moi, monsieur son travail complet. Moi, rarement, ouais, de monde travaille du comme ça. Là, ça m'a vu un coup de chapeau pour. Et Guy Beauville, tout. Ouais, Guy Beauville. C'est de 8 travailleurs, c'est que ça, oui, je dis, je pense que la société a. À l'aise. Mais c'est chapeau de parce que il n'y a pas de monde. Parce que moi-même, je pense que, on est un coup qui a des histoires, ça. Et la famille, j'ai moi bien content d'entendre des gens parler de lui. Et je connais si tu es un bon qui est rond, tu as la gueule, parce que c'est qu'on soit yé. Parce qu'on grandit avec un paquet de monde. En fait, dans ce temps, Jean-Raymond, on est un coup DJ Fofan. Bon, je connais DJ Fofan par les crimes qu'on y a là. Immédiatement, on finit des noms cités, il va dire rigolo, voici, voilà. C'est un fanatique qui est là, il est toujours en correction la pote. Mais il dit, mais pas venu. Pour qui raison? Parce que il connaît Junior Rigolo, connaît le Rémé, fig bien godé. Il connaît plusieurs là-dedans qui me connaissent, il dit, bon, rigolo. Et mon cher, on connaît plusieurs, bon moi-même, madame. Mais moi, je fais sport semaine ça. Faut faire une petite en pile, faut faire des posts sur Facebook ou des bouts petits à Haïti. On connaît qui j'aime nous interpréter. On est pour DJ Fofa, Philippe. Bon, DJ Fofa est plus âgé que DJ Fofa. Nous sommes bons amis, alors pas de bons amis, mais nous sommes la même classe avec grand frère DJ Fofa, qui c'est Charles. Et Fofa est caranglade tout, Fofa est un petit monde. Nèg depuis le petit était très brigand mais monsieur était toujours un franc parler un très brigand nèg qui connait goumet et puis c'est qui révolutionnait me capable dire mouvement DJ ça veut dire DJ Fofan justement fait début lui justement et la même période que Jean-Rémo mais début DJ Fofan il fait avec musique lui même et dans les rendez-vous du dimanche de musique au Stekin donc c'est DJ Fofan qui était. Et alors, musique, Vardy Farrell, Emmanuel Loba. C'était le dimanche, c'était musique, DJ Fafa. Donc, l'aventure de DJ Fafa a commencé à ce moment-là. Et, mais je dois te dire que la période de ça, tout, c'était une équipe de DJ, tant que Fred, qui était connu DJ, tant que Cache-Cache, tout le monde. Cache-Cache, bien sûr, l'âge dit, c'est. Pas tant que ça, un peu grand que ça. Oui, mais vous avez 49 ans. Mais vous avez 47, 48 ans. Oui, c'est dans la zone. Mais là, ils sont pas grands. Non, c'est loin que ça. Depuis 7, 8, 9, dans la tête, 4 têtes. Dans la dernière lettre. Oui, c'est la gaffe. Oui. Pas dans 6 chiffres, sur la 31, on a un petit chiffre. Oui, donc la période, ça a toute fête de salon. On a parlé d'une société comme si. Époque et Golobo tout. Oui, mais. Nèg sont fait fossure la fête de salon. Parce que fête de salon c'est une grande tradition l'autre des été rive en Haïti décembre rive t'as de grandes fêtes de salon qui de côté que t'es réputé pour de gros fêtes t'as Delma 65 t'as Delma 33 donc l'autre des fêtes sont fait là et puis c'est DJ Fanfan qui a fait fête c'est de gros fêtes et journée créative DJ Fanfan c'était maître journée créative donc monsieur construit un empire avec ça le qu'on est DJ. Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il peut-être pas DJ qui est au devant de la scène. Mais il est un DJ qui est combien?
bon DJ, Fonfon et compagnie, oui, de sonorisation, sonore, tout ça. Même monsieur Rété, on référence, ça veut dire que ou bien sensation que soit font soirée qui sortit de l'ordinaire avec de la bonne musique, forme de Fonfon qui appelle connaissance musique, ouais, tout, ouais. Avec de la bonne musique, une soirée de classe. Et je pense que le premier choix qui vient de en tête, c'est DJ Fonfon. C'est DJ Fonfon. Pendant que nous avons fait un marché noir pour les vendre 116 000 dollars américains, les blender. Donc, on a moyen de 116 000 US sous ta blender le prix ça. Mais sous ta blender ou en bas 100. On comprend? Avec DJ seulement. On travaille pour ça. Oh, en pile, nous n'avons pas rentré dans DJ Fonfon qui wong tout. Non, mais monsieur, bon, ou pas qu'à mettre mon lendu fait pour personne. Oui, c'est vrai. Mais vraiment, vite dit, monsieur, parle rien qui doit. Parce que nous t'apprenons, il ne sait pas où lui parler. Il y a des gens où on est dans la vie. Et pour qu'on ait 20 ans de travail. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à étonner qu'elle soit joué lié qu'on y a. Ce qui est étonnant, c'est que vous ne connaissez pas tape faire rien pour bon matin le vous là pour les machines DJ Fonfon. Ouais, des big mention ni. Je vois, donc c'est pas le cas pour Fonfon. Et puis la justice même est à regarder. C'est pas le cas pour Jean Raymond, c'est de l'école, ouais. C'est des années. Les gars fait tête. Et vous n'êtes peut-être qu'on n'a pas parlé de lui, mais obligé. Parce que dans un moment là, monsieur, pas recommencer avec radio. Et monsieur, il est Avenger, monsieur Grandza, avant son canapé VA. C'est vrai que monsieur, c'est Goumon. Il est Goumon, il n'y a pas d'autres gens. Donc, c'est des gens qu'on connaît très bien, Philippe. Avenger, ça me dit d'Avenger. Avenger, c'est un ami, pas dit d'enfance, mais mon Avenger est très jeune. J'avais dit que un de nos amis que j'ai rencontré dans l'adolescence. Et son Avenger très tenace, un Avenger. Et ambitieux, et dans le sens positif du terme. Et bon, il y a des défauts pour tout le monde. Tu vois, son équipe est trop susceptible, son équipe qui est très appliquée à certains. Bah, il est peut-être très exigeant, entouragé. C'est pour un qui tellement accepté mon fait au bon côté. Donc, il y a une certaine intolérance par rapport avec l'autre monde. Et bon, moi, je connais 20, c'est. Mais ce que je ne connais pas, c'est que Evans au départ, va te faire radio, Evans c'est ton danseur. Oh, danseur? Evans, c'est ton avant même, avant qu'il était chanteur. Yeah, c'est ton danseur, ça veut dire que l'on parlait de breakdance et by Michael Jackson, by Zo. Evans, c'est très connu dans le pays pour ça. Et l'homme qui a rencontré Evans, justement, c'est Evans avec Jude Jean, qui étaient deux danseurs dans le spectacle que Papa Chtabba a lancé le théâtre Triomphe. Donc les deux danseurs, c'était Evenzian et Judjian. Et Judjian. Judjian, c'est un excellent danseur. Elle dit Judjian pour qu'on a mal voix les ça. L'homme venu à Judjian pour chanter me saisit parce que moi-même c'est danseur à me déconner. Donc Evans, différents spectacles Papa Chtabba à l'époque, c'est peut-être la famille Papa Chtabba qui connaît Evans tout. C'est Evans qui était qu'on a dansé là-dedans. Donc c'est un bon danseur là, fait break dance, bagarre électrique. Ouais. C'était beau là. Et Judjian qu'on essayait de faire dans quelques vidéos tout. Pas en pile, mais. Non, mais Judjian c'est un excellent danseur là. Ça, il danse ça, danse moderne à l'époque. Bon, est-ce qu'on connaît Judjian ces semaines-là aussi atelier? Et monsieur Jono Mouvi, qui est Married Men, qui parle faire grande première California 3 et décembre, qui vient là, monsieur, si on a moi, je pense qu'il a le talent pour ça. Monsieur, et monsieur joue bien, très bien. Monsieur Jono Mouvi, ça tout. Monsieur sont excellent dessinateur, tout. On ne dit pas qu'on est. Judjian? Judjian sont excellent dessinateur. Ok. Elle dit, Judjian, c'est un meilleur dessinateur que je connais au crayon. Elle dit, un portrait. Tout ça, mon a fait là-haut. Un portraitiste de haut niveau. Judjian. Judjian, tu vois. Et donc pour venir avec Evans, donc c'est ça. Donc je travaille avec Evans dans plusieurs projets que je fais, dans le premier album né, tout ça. Et là, ça c'est Anti-Musique qui était produit. Moi-même, moi j'étais distributeur des produits de Anti-Musique. Bon. Donc moi, c'est un jeune garçon qui a courage et qui avec Zongni travaille pour le côté. Qui fait certaines choses. En fait, en rentrant dans le bar qui était fait déjà, en interview qui a été fait avec. Ancien président pays qui c'est Joseph Michel Martelly dans Mardi Alternative, il y a un show que vous animez, en fait, vous co-animez avec deux trois autres amis, Johnny Celico, El Señor, Henri Jean-Louis et compagnie. Donc, c'est une interview que je m'attendais, l'elle t'a fait là, mais je viens de regarder. En fait, on dit, je m'attendais, mais regardez parce que là, ça m'a couché, je m'attendais, mais regardez, mettez sur YouTube, je m'attendais. Et puis, je m'attendais dans quelle dimension l'interview a fait. Et ceci, vous avez senti un grand Michel Martelly tout petit en face d'un géant que le Philippe Saint-Louis dans l'interview. Ce n'est pas parce que Philippe a coincé le président, et pas parce que Philippe a une volonté. Mon senti, après 5 ans de passé, Philippe est énervé.
Et si Philippe énervé, comme lui joint Hermichele Matala en présence en studio, donc Philippe Saint-Louis parlait avec Joseph Michel Martelly, ancien président PIA, convenablement. Et bon, c'est ça que me dit le grand Michel Martelly, tout petit, devant Goliath là qui c'était Philippe Saint-Louis. Et ça a été, ça a fait, il devait avoir une réaction sur lui tout sur Internet. Et à la fin, l'interview vient finir, bon, pas là, bon, comme ça me vient apprendre tout, que y a un paquet de monde qui vient recevoir le président de l'UE dans le studio. Bon, bref, c'est intéressant quand même, son artiste qui est le président. Mais si tu as en face de Michel Martelly, qui peut-être qu'il est dans à n'importe quel moment donné, même s'il n'a mis quoi, parce que ça, dans la bouche, c'est l'anglais, pas fonctionner sans lui. Donc, est-ce qu'on va penser au courir de vos risques? Pas parce que tu es fait tôt, parce que tu n'as rien comme ça. C'est pas dictature quand même, mais c'est jeune honnête qui pas peur dit rien et l'abdil non seulement pour le déranger et si ou prend la provocation quand même faut tourner chanson que l'a fait dans jour ça là soit pour Jean Mona ou bien pour Liliane et autres. Donc Philippe Saint-Louis, est-ce que pas penser c'est un risque énorme côté courir dans interview ça? Non, pas comme courir risque, et nous penser que juste continuer faire ça m'habitue faire. Et je ne vais pas changer d'attitude. Et je ne vais pas recevoir artiste. Ce n'est pas président de la République que je vais recevoir. Donc, je traite avec la même attitude que je vais traiter Richie, Ali ou autre. Mais Fonzi, il n'était pas président encore. Oui, c'est ça. Et en début d'émission, c'est pour ça que je vais insister. Je vais dire que c'est l'artiste que je reçois. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je fais toute émission. Tout moi dit Michel Martelly. Mm-hmm. Donc, parce que nous ne pouvons pas recevoir artistes, l'émission qu'on appelle ni son excellence, ni monsieur, nous, il est tout artiste pas prévenu, parce que mon relation de cordialité généralement qui existait entre animateurs et artistes. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, je lui ai posé des questions pertinentes, tout simplement, et questions que me t'a posé n'importe qui artiste, tu vois. Donc, bon. Et. Je ne pense pas que M. Dabjé Martelly est maman, parce que moi, je pense personnellement que Michel Martelly, en tant que président, n'est pas sur la même longueur d'onde. Du tout, parce que vous êtes très acide quand même. Oui. Envers M. Lelte Rouvoir. Oui, je suis très acide. Je continue à être acide avec tout ça qui a à voir à tête calée. Mm-hmm. Parce que je ne suis pas persuadé, ça n'a rien de personnel. J'aime tout ce que je disais tout à l'heure, je suis comme un pays. Et moi, j'estime que. Système ça n'est pas à la hauteur de attente moi. Donc on m'a dit que j'ai raison, donc c'est une bagaille idéologique. Et mais le Michel Martelly en lui-même pas un problème avec Michel Martelly, ça veut dire que les rencontrer avec Michel Martelly, moi c'est que tout un respect mutuel, je sais pas jamais manquer de respect, moi jamais manquer de respect. Je crois que c'est ça que t'as passé dans l'interview, hein. Ça veut dire que monsieur toujours défend point de vue là en face, même toujours défend point de vue moi, mais toujours là une atmosphère de respect. Donc, je pense que la joue maman, il faut le bon pour jouer maman. Parce que tu comprends. Donc, c'est vrai que je suis tempérament littéral, je ne vais pas m'occuper de lui tout simplement. Mais j'aime bien lire et que je suis toujours pas respect les lois, même j'aime toujours pas le respect. Les lois, je connais l'opinion, je connais que je ne suis pas sur la même longueur d'onde avec lui, je connais que je ne suis pas approuvé en série de positions que le gain. Je connais que je ne suis pas retrouvé dans certaines choses, mais je suis bien choisi en tant que monde. Et personnellement, j'ai mes choix. Tout simplement, nos choix ne sont pas compatibles. Ok, Philippe Saint-Louis, et de nos jours, nous avons un Philippe qui en fait en mode entrepreneur. C'est-à-dire, au grand business qui est Kaya Pipo. Kaya Pipo, apparemment, qui commence à prendre. Parce que nous faisons des déplacements, nous avons plusieurs photos. Il y a des gens qui ont un programme. Pour un programme, pour faire un selfie, ou Kaya Pipo. Ou bien festival, ou pas. 10, vous comprenez? Ou un monde qui fait. De grands musiciens, tant que Richie, moi déjà qui carapipo, donc son un côté qui commence à prendre. Mais décider à le fond business, Pipo, bon, c'est bon, me corriger, parce que normalement, Philippe Saint-Louis, c'est lui qui commence avec question, soirée des artistes. Et tous les mercredis, et Caris, t'es gagné, on a de la 47 heures, tout bon, j'en ai moi. Donc, ou vine fait. Mais, on dit, rentrer en dedans Pipo, quitter toute activité professionnelle à part de manière alternative. Il était fini qui genre pour te faire entreprise ça. Et puis en passant, est-ce que Kaila Kawa c'est pour seulement parce qu'on fait tout bail on a Kaila. Parce que nous connons un fort qui député, monsieur qui doit gagner l'autre Kaili parce que on député suivant Jean Campé, gain bail pas moi qui était que pas besoin. Vous comprenez sauf si tu as un défaut. Bon, et qui j'aime faire entrer
Bon, ça date pas d'aujourd'hui. Et projet Carapi pour son projet que moi gagné depuis 96-97. J'étais à Paris. Et m'aller dans ça relé café culturel. OK, le contingent on vient un peu le côté à Paris. Et côté c'est des espaces que des musiciens qui viennent jouer acoustique et puis qui gagnent type de décor qui gagne journal, qui gagne livre, tout ça, tu vois. Donc ça t'a attiré et c'est peut-être de là également que moi venais avec projet soirée des artistes là, tu vois. Comme si on espace côté n'gab de musique acoustique, n'gab de bagarre, espace de jeunes, des artistes qu'on ne connaît pas qui sont devant de la scène, tu vois. Et puis bon, moi essayer appliquer concept Carapi pour un paquet de l'autre côté, l'aimer entrer la logique en bien sens, c'est ça que t'es la tête moi. Et me fait Carapi pour me faire connaître des artistes, me faut paquet un paquet de bar restaurant, tu vois, c'est peut-être Carapi pour le plus connu, me gagne sélection. Faut paquet, tu vois. Donc et puis donc me vient également compte que c'est construit pour me construire espace à Jean-Blé là, tu vois, et à partir de goût moi, à partir de Jean-Blé. Et me vient également compte tout que forme construit parce que Carapi pour tellement un côté idéaliste. Il faut que me faire un côté que me bagne loyer. Parce que me capable faire face à la réalité ça par rapport à rêve moyen contingent très éclectique, très sélectif. Ça veut dire que et là ça me te intérêt prend un an et demi me construire, me fait ça me et puis ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui car mais terrain c'est même reste terrain la caillou. Oui oui, c'était mais qu'on y a là puis pour une question ça très délicat. Gien période on était chef dans pays là. Les nègres qui ont terrain, yo kon terrain kon pas c'était l'état oui gien moun gien 30 ans là son terrain et puis c'est l'état c'est tel état n'importe comment on va mettre au terrain oui? Non nous même nous pas ça déjà. OK, ça t'a été réglé? Non mais c'est parce que Duvalier était quand dit papa c'est lui bon prends ça. Non, prends ça, c'est pas ça le ça veut dire des autres voulaient faire comprendre qu'il était en période ça il pas de conserver l'état ça mais okay. Il pas existé du tout non et mais pas de ça du tout. OK. Donc là on construit tête frette, on avance. Mais faut me dire nous que image là et nous capter des voix nous et puis n'a regarder image Carapi pour vraiment intéressant et très propre. Moi même mal la toilette là, me regarder parce que tout côté me braler, les monter dans restaurant, faut moi toilette. Depuis toilette pas propre, m'pas prêt manger. Et m'a rappelé nous que et mon cap manger dehors, on ca choisir Carapi parce que là très propre et manger très bon. Très 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 bon contrairement avec et certains restaurants et vous pouvez manger à bas ou un mouche dans l'huile là même. Bon bref, c'est des restaurants qui peut-être pas respecter tête yo. On pas parler citer non nous et m'gen image un restaurant avec mouche là et action graphique n'importe le. Bon, si me choisir fini vivre ma blague. M'gen image là et un restaurant qui ne pas bail côté lié et bah ça au mais mouche là et nous ca toujours ba nous image là, nous ca ba roule. On va pas oublier chose ça pour pas attribuer la Carapi pour Carapi pour très propre donc capable de manger là et puis son espace tout me penser mais on va faire un espace de lecture là tout bon et... si ça fait partie des projets ça fait partie des projets et d'ailleurs quand on nous compte que la fond on va prendre deux trois livres quand même exposé de musique livre et c'est une tentative pour recréer certaines habitudes que moi c'est nous perdu par exemple souvenir le dimanche Carapi pour après nous faire jeu de société tant que et Ludo, Tankou, Bézig. Ah, vous avez Bézig tout? Oui. Est-ce qu'on est Charles Bézig, c'était grand-parent? Ok. Si on est qui font un Bézig dans le pays, c'est un homme. C'est ça, il y a joué Scrabble, tu vois. Et ça veut dire, vous créez deux habitudes comme ça qui fait que nous liés entre nous. Et puis, faire revivre une série d'anciennes traditions comme si culinaires, Tankou, par exemple, Carapi pour sauver le dimanche, on vient. Je vais apprendre France pour le pays, souvenir le jeudi, on vient durer à la loue, souvenir le mardi, on vient durer tout fait militant, tu vois. Et le vendredi, on vient de maïmoulin à poisson, tu vois. Nous, on vient de manger, ça veut dire que cuisine haïtienne, on a besoin de manger. Donc, l'art culinaire haïtien, donc ça se trouve, Carapi. Ouais, bon, pas de problème. En fait, mais tout le monde nous invite. Et les Carapi pour commencer, et pas qu'à supporter trop pour venir, donc on retourner, payer cash là. C'est comme ça, on dit en anglais, on te vive l'autre bon. Et on va retourner pas dans Carapi parce que Patrick déjà a un paquet d'argent. Monsieur, pas besoin de dire comme ça. Toro, c'est millionnaire. Tout le monde comme ça. On va retourner pour moi, mais il faut que moi passe dans l'administration quand même pour me dire que je fais tant avec Carapi. Pas de problème. Carapi et puis Philippe Saint-Louis, qu'est-ce qu'on fait avec Tankou? Il y a un grand animateur Tankou acide, toujours très hostile par rapport avec et dans ça, qu'a développé dans le pays avec les Rabodaï. Bon, je ne pas. Hostile à Rabodaï. Je pense que Rabodaï, en tant que musique,
et là n'a regardé ça qui a passé à travers le monde qu'on y a regardé le rite africain qui a marché qui a cartonné n'a regardé de rite kizomba genre de son Japon marché c'est deux rites qui basés en pile sous percussion et puis qui dans pile mouvement là-dedans donc on pense que Raboda là tu qu'a gagné un avenir là-dedans. Mais le combat contre le Rabodaï, c'est un combat que j'ai commencé à mener avant que je vienne les musiques sur Rabodaï. C'est-à-dire c'est des positions que je gagne depuis les années 2005-2006, depuis l'air, et 26 couflets commencé avec Animation 4. Parce que depuis l'air, ça que moi-même, moi, dans la Radio Galaxy, m'a dit qu'il y a un danger là. Depuis que nous commençons dans le bagage, le championnat de football a commencé à minuit, le championnat de football a commencé à 10h du soir. On a qui objectif les couflets, tu fais là, ça. Tu vois, non. Je pense que c'était un bon projet, et puis le projet a changé là, tu vois. Et parce que monsieur c'est un monde tout vous et jeunesse à la rue. Bon, ça nous aussi. Il faut que la population admette lui. Parce que mettez championnat basket. Est-ce que c'est lui qui mettait là le ça? Je ne sais pas, mais c'est à partir de lui que ça a commencé. Donc, de lui-même. Il est responsable. Justement, de lui-même, l'on a une activité comme ça. On a des proxénètes qui sortent de partout, qui ont vu une vente tafia, qui ont vu une vente petit bozio, qui ont vu une grande jeunesse. Et femme enceinte qui exposait comme si tout le monde avait 12 ans, 13 ans, 14 ans, les lambouilles, les musiques, les tout ça. Donc, nous avons une position contre ça. Donc, ça nous vient de l'Érabodaï, là. Parce que musical, là, on a parlé de musique, ça nous vient de l'Érabodaï, là, c'est pas l'Érabodaï. Ça nous a dit que l'Érabodaï, c'est un pile impureté dans le langage. Tu vois, nous disons un pile bagaille qui passe ça. L'Érabodaï, là, son rite qui l'a comme si depuis un siècle, deux siècles. Ça son bail comme si qui sorti dans racine nous c'est comme si nous son consommé de rite du terroir c'est lui même qui rabode là ça veut dire que son rite qui pas une définition exacte mais c'est pas ça qu'on fait qu'on y a là qui c'est bail électronique DJ puis nous juste que les rabode tout le monde Jacob je rabode elle dit ça n'a joué à la fin chercher un nom pour nous bali mais c'est pas rabode lui ça veut dire que si bon capable brigand et tout tu vois donc pas un problème à musique là en tant que lui même ni pas un problème à DJ qu'a fait là moi j'ai un problème à symbole qui sorti là-dedans. Ça veut dire que une musique comme si côté qu'on libre pour dire ce qu'on voulait ou libre pour dire bêtises qu'on voulait. Et bêtises entrées des danses juste, qui. Tu vois, mais la musique. Il y a des postures que vous prenez dans ces musiques ça qui. Oui, c'est clair. Donc la musique qui c'est des influences comme si négatives que nous prenons de la Jamaïque, que nous prenons de côté, là, j'en ai dansé, nous perdons toute retenue, nous parions plus de encore. Mais c'est également l'expression d'une jeunesse fatiguée, frustrée. Tu vois, donc à travers. Et ce genre d'ambiance, c'est la possibilité de manifester toute leur frustration à travers un débordement de plaisir. Donc il faut voir les choses sous un angle très profond. C'est une société malade, c'est une jeunesse malade. Et puis c'est une façon pour lui affronter la société à son attitude fondeuse, tout simplement pour montrer ras-le-bol de sa capacité. Vous avez dit, il est choqué volontairement. Tu vois, donc une société normale, on combat, on mène contre toute dérive, ça, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas même dérive ça autour? C'est pas Rabodaï en lui-même, ça c'est pas Didier en lui-même, c'est son problème sociétal. Puis le week-end, c'est ça le toujours hier, 16e saison n'a pas passé. Philippe Saint-Louis met lunettes là, donc lunettes là c'est pour une raison quelconque ou bien? Non, son tableau qu'a façon là, m'a regardé. Ok. Et m'a fait une droite bien, sans lunettes là à distance. Donc, et puis on regarde pour ça qui est dans le tableau. Et on va te regarder. Ok. Philippe Saint-Louis, après tout ce qu'il a raconté là, et si m'tazou un guise de conclusion qui j'en ouais Haïti parce que gen moun ki dit son conservateur et gen moun ki dit tout c'est pas vrai son comportement archaïque comme ça tout gen de moun tout qui dit et bon bref et son suprématie qui tellement trop élevé dans ta petite tête quoi donc ça vient bay au Philippe comme si bon pas qu'à dire narcissique, puisque narcissique là peut-être vient sous toute forme. Vous n'avez pas aimé être tout seulement, mais tout ce qu'on fait, tout ce qu'on t'a aimé, depuis le pas passé, les bords, les prétentions narcissiques là. Donc, en conclusion, Philippe, qui j'en veux pays ça? Comprenez, c'est pas de la politique quand même, puisque vous vivez dans le pays, hein, et ou victime de tout ça, et tout le monde victime tout des sécurités, de Digicel qui a volé Minute Moon. De la justice qui a pris mon injustice toute la journée, et de digression qui a fait dans le micro, que dans le monde culturel, dans le monde politique, dans la radio, la télévision, mon qui a fait faute dans le journal papier, et en fait, des gens qui volaient, ils ont là, ils ont marché sur tout le monde, vous comprenez? Comme si, où vivent toutes les choses, où vivent les filles qui ont jeté petite, où un tremblement de terre, où un président qui a mouru, vous comprenez? Où un président presque allé en prison, comme si, où ont tas de choses. Comme si sous ta fond
en fait en conclusion pour dire comme si c'est qui joue ouais pays ça Philippe qui joue ouais parce que nous cas où sont qui martyrisés même avec tout le monde mais comme nous même ou plus ou moins gogo rigor critique ça prend le bail et on réflexion qui est beaucoup plus profond que l'autre monde. Bon, on pose une question qu'on paquet de vol là dedans. Mais pour nous une capacité à exactement la gueule comme ça là. Bah mais c'est faire par étape, c'est que premièrement parler de un comportement de conservateur. Pas penser un comportement de conservateur et penser me son monde qui simplement à chercher qualité. Et parce que la qualité est intemporelle. Ça veut dire que et papa me dit que le classique ne meurt jamais. Avait dit moi même par exemple ça me dit que jusqu'à présent depuis le 14e siècle jusqu'à nos jours et Solia la sept là va mourir. Elle dit que un costume classique il traverse le temps. Un pantalon sous tête derrière son bagage éphémère. Ouais. Donc l'on pas accepter sous pantalon sous tête derrière par exemple pour pas mais c'est pas une attitude de conservateur. C'est peut-être une attitude un monde qui voulait et une série de normes, une série de principes et rester parce que pas une société qui fonctionnait bien sans principe. Donc je crois que le problème en Haïti justement puis le problème dans les sociétales avant que le politique. Et c'est que nous avons l'impression nous à vivre dans la société nous pas une ligne rouge. Ça veut dire que pas un lien que nous pas un droit franchi. Ça veut dire que on ta franchi toute bagaille et puis on n'importe qui bagaille dans vie. Ça veut dire prérequis que on demande pour nèg gain pour ou atteindre et soit la notoriété ou bien le succès en Haïti nous atteindre succès et peut-être même notoriété ou bien popularité sans que nous pas fait li par étape et tout en transgressant un ensemble de principes. Ça veut dire que et est-ce que c'est une attitude de conservateur sous parler de l'Haïti des années 70-80 et pour faire parler la velle qu'on y a, on a parlé de Haïti qui a 20 salles de cinéma, 30 salles de cinéma, salles de théâtre et activités pour jeunes, la rue propre, 24 décembre c'est belle bagaille, c'est dans cette ville, ça a été qu'on fait rue pavée, rue des fonds forts, c'était belle bagaille, les plus grands magasins de la ville se situaient au centre-ville. Tazilo, tout ça. Et puis qu'on y a là, on a Haïti, Fatra. Et par contre, grande salle de cinéma, c'est ça le côté, par contre, salle de cinéma, par contre, activité cérébrale pour jeunes, par contre, théâtre, par contre, poésie, par contre, rien. Ça veut dire que, et aux jeunes, qui livrent à lui-même, qui jouent tout à l'heure. À petit plat là, et puis. Dans la petite bouteille plat. Et puis, il y a dans Zokikili, où on a parlé de Haïti, qui était des grands hommes de théâtre, quand même, on a parlé de Languichat de Bordus, pour ne citer que lui-même. Et puis, nous, ouais, dans qui ça, théâtre haïtien, je dis, ça m'a fait personnalité. Elle dit qui ça pour nous faire ici pour nous aller dans une belle pièce de théâtre bien écrite, que c'est en créole ou bien c'est en français, côté que langage est clair, il est bien articulé, tu vois, avec des hommes de théâtre dignes de ce nom. Et on n'a plus ça. Est-ce que son attitude de conservateur, si je me songe Languichat toujours, je ne pense pas que c'est de la conservation. Est-ce que son attitude de conservateur, si je me songe Champ de Mars longtemps, j'ai le dit, on a le Champ de Mars 24 décembre, c'est pour attitude du conservateur. Et ce sont attitude du conservateur, les m'attendent il y a Viscacha, m'a regardé niveau musical on nèg et puis et les m'a regardé qu'on y a une série de bail qu'a fait sur le plan musical. Donc bon faut c'est pour là en parlant de musique et faut que nous dise au grand pile texte que écrit. Ou écrit pour disciple. Ou écrit pour maestro, ou écrit pour cadence tout c'est ça. Oui. Et ou écrit pour new look. Et bon musique et pays jeunesse futur. Que moi j'aime en pile sur album ça. Donc ou le talent. Donc peut-être que côté critique ça est vraiment intéressant. Bon et tout ça on dit là c'est vrai ou pas obligé un conservateur et si on rappelle ça que t'es bon et jeudi à nous faire bac. C'est clair. Vous comprenez? Mais par contre le yo grand parole qui dit tout ça ou fait trop son excès que lié. Donc les chaque jour on dit Philippe t'es animateur sur Radio Galaxy. Philippe pour le faire semaine Philippe a joué musique nouvelle génération. Philippe a joué ancienne musique. Donc, n'est-ce pas attendre de Philippe par rapport à la critique yo, et puis, n'est-ce pas attendre de musique qui a roulé dans Philippe. Et peut-être que je suis aussi radical, je n'ai pas choisi ça pour jouer. Parce que, mon animateur, son directeur d'opinion. Que bien sûr. Alors, type d'animateur que je suis. Je n'ai pas mettre un animateur, on dit, je suis plus son critique. Donc, moi-même, je essayer de diriger l'opinion vers ça, je pense qui est bon. Vers ça, je pense qui est bon. Je ne dis pas que.
li bon non c'est de manière absolue me dit via ça que je crois que c'est ça et ou même qu'a fait ça faire là me pense qu'on veut canaliser mon dans son quoi donc moi c'est ce que j'ai essayé de faire moi me pense que là on a parlé de musique haïtienne la musique haïtienne au niveau de la qualité se situe à mon avis et dans, en matière de compas dans les années 70 dans les années 80 et après 86 il y a eu toute une dérive tu vois. Donc c'est évident que Kounye est un bassiste conservateur que ça. Par exemple, je pense que Richie est un grand musicien avec une production de haut niveau. Je pense que Henry, c'est un grand musicien avec une production de haut niveau. Je pense que l'équipe Zinglin, c'est encore de la bonne production. Donc, Gedeba est en fait actuellement que moi, j'ai trouvé que et qualité a des prises dans la donne. Gedeba est en fait Kounye, je trouve qu'il n'y a aucun rapport avec la qualité. Donc moi-même, moi, érigé pratiquement en face ça et donc quoi que c'est wall moi en tant que critique ça veut dire que dans nos sociétés peut-être que nous sommes inconfortables à la critique et puis des fois font critique son musique et puis la prendre de façon personnelle pour le combattre tout mais pas quoi rien qui avance dans la vie sans critique. OK mais Philippe et Saint-Louis tout pour qu'on on est qui trop actif bon en fait trop actif on pas grand pile followers sur Facebook Instagram Twitter mais des pour là on bagaille qui gon comme si l'aile du Philippe là pour ton bail là bail la déranger communauté là qui ça passe est-ce que c'est peur j'en t'a dit avec BS autre jour BS t'a parlé de l'autorité médiatique est-ce que là on côté mon supposé peur moi même ça arrive avec action graphique mal dans studio Kariki m'en écrit fait comprendre musicien là puis tout le monde fait silence parmi lesquels David Dupont pour parler dit depuis next arrivé tout le monde fait silence moi pas de problème on est peur vous comprendre même bien problème. Et l'OM, pour qui sont fait silence, sous fait silence, c'est parce que son tap dit, ah, pas la vérité, ou bien, ou t'es une mauvaise posture, vous comprenez? Mais depuis Philippe tape au barrage, soit Philippe t'a dit, bon, d'après moi, même telle ou telle musique, comment pas faire comme ça? Parce que l'autre, c'est trop banal. Et puis, ou senti bah, la déranger, mon yo, et mon yo, ouais, Philippe, ou monde comme si, qui capcrasé, tout ça, et malgré pas qu'il fait l'OM, depuis mon grand mon yo, la gueule dans le groupe WhatsApp, la gueule sur Facebook, et puis Philippe, la gueule, pour l'amener à Sandap Zikounian, nous vivons une société qui n'a pas de tolérance, qui n'a pas ouvert à la critique. Ça veut dire que, et ceci dans tout domaine, ça veut dire que, on est capable de match football par exemple, c'est l'affiche en préférence pour Ronaldo ou pour Messi, mon capteur de lieu, presque traité de tous les noms. Donc, nous pas tolérants, nous pas ouverts à la critique. Donc, qui ça fait peut-être que l'aime Zombagaï? Et il fait boule de neige, il y a un peu le balai, un peu l'autorité. Pour la simple raison que je crois que mon cheminement qui vient faire que je crois une certaine autorité dans la matière, parce que je crois que je parle ça me connaît, et je ne fais pas critiquement avec méchanceté, je fais critiquement avec idée. Je ne fais pas critiquement avec fait, et puis je ne pas proposer, peut-être, mais qui j'ai le temps de faire. Et bon, que personne ne va pas mettre en doute compétence, là, ça m'a fait. Donc, automatiquement, ça m'a fait une certaine compétence. Ça donne parole ou elle vient presque bon valeur absolue pour un peu le monde qui a attendu. Et l'influencer, si vous voulez, donne. Donc, je crois que c'est ça. Il y a peut-être qui gagne même. Parce que je pense, Junior, qu'il faut surtout faire la différence entre la popularité et la notoriété. Donc, je crois que. Il est facile pour n'importe quel populaire. Au cas où on fait, au cas c'est du Hollandais, il y a des gens populaires avec une parole de. Ou pas égaré. Pas égaré, tu vois. Donc ça, c'est popularité, notoriété, elle est venue. C'est popularité renforcée par le respect de société par rapport à vous. Moi, je pense que le combat qu'on a gagné pour le mener, là, au devant de la scène, c'est mener le combat pour atteindre la notoriété, pas forcément la popularité. Ok, Philippe, c'est lui. Nous allons dans un qui relève à question osée, réponse osée. Mais avant même que m'aller Philippe, et qui soit cas, qui en fait, est-ce qu'on message, est-ce qu'on reproche tout pour tout le monde, en fait, qui a dit peut-être Philippe, ce n'est qu'est conflictuel. Pas conflictuel, j'aime de lire. Combien fois y a-t-il des mélanges conflits à mon? C'est ça que le bail mon abdi de moi, oui. Que me conflictuel, bon, à qui mon j'aime des mélanges. Est-ce que j'ai une réputation de n'être qui l'en compte à monde toute la journée? Non, je fais 23 ans de carrière dans la radio, je ne suis pas compte à monde. Ça arrive peut-être une ou deux fois, quand je me fais remarquer son album, il fait, il a tombé par les têtes, le micro, je ne réponds jamais à ces assauts. Et même histoire vie, je ne suis pas de conflit là-dedans à monde. Est-ce que tu vois? Donc, là, on dit conflictuel, c'est pour dire à qui monde est-ce que conflit. Ça, c'est la première chose. Et je pense que problème dans ce deal-là, moi, insister sur lui. Je pense que. Il faut que nous fonctionnions différemment, sans vouloir me comporter en donneur de leçons. Il faut que nous ayons une ligne rouge
faut qu'il y ait limite. Faut qu'on ait rouge. Ça veut dire nous pas qu'à fonctionner comme ça dans tout domaine, dans politique, dans toute bagaille. Ça veut dire que son retour on est qu'à c'est pas Michel Martelly par exemple. Li ka di salvele, c'est parce que j'ai une société qui permet li di salvele. Et tout prend monsieur comme exemple de qui compte société haïtienne n'a pi bien Michel Martelly. Michel Martelly n'a pas changé, il est resté le même musicien jusqu'à président. Moi même m'ka di m'on certain respect pour lui ou ça. Ça veut dire que son dèk li rete li même Jean te hier, il a gagné monsieur Gonlin. Il a gagné consa pendant le président, mais il a gagné consa pendant le président pour la simple raison que une société qui a absorbé des rives li. Ça veut dire monsieur voyez ou bal route la population ba yo ya monsieur bal terrain. Mais même Michel Martelly, qui peut être très agressif avec les journalistes ici, il a posé la question. Même Michel Martelly, son plateau en France, côté de journalistes qui a coincé et puis qui fait le tout petit. Non, est-ce que ce n'est pas le problème français tout? Non, ce n'est pas le problème français. Parce que nous, tout ça, quand même, tout ça. Et nous-mêmes, haïtiens, vraiment désolé, ça me brasille. Français, nous, c'est Jean va à l'école. Sujet, verbe, complément. D'accord, avec vous. Contenu. Non, nous, Michel, son élève, sans études secondaires. Michel Martelly, pour une sorte. Non, on connaît. Elle dit Michel Martelly, il a une capacité pour parler français. Je ne vais pas dire Michel Martelly, pour parler français. La dimension, Leslie Maniga. Mais. Bon, Leslie, c'est ça, je ne sais pas que son problème de français. Le problème, non, c'est que monsieur, tu l'environnement, quand il connaît, pas qu'à faire ça. Lui. Ok. Ça veut dire que nous, Michel Martelly, qui parlait la Maison Blanche, côté Michel Martelly, très protocolaire. Ça veut dire, c'est on la présidente à l'extérieur qui était. Puis bien habillé, puis ouais, frais, bien élégant, bien élégant avec un protocole d'elle. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que les monsieur qui vient là, mais le côté pour lui prend forme col là, il prend forme col. Ça veut dire que les monsieur en Haïti, on journaliste posé une question. Les comportements anticonformistes. Il a couru avec les anticonformistes parce que la société a permis lui. Parce que j'ai vécu quelque chose au Mariotte l'autre jour, je me barre la fin soirée. Et puis monsieur a dit bêtises, monsieur a dit bêtises, monsieur a frappé, monsieur a dit bêtises, monsieur a dit. Ben, j'étais tout seul avec mon indignation. Je me suis dit qu'on est imbécile, comme si ça a un petit genre. Indigné, comme si on a dit toutes bêtises sur la figure du monde. Mais mon vieux, la foule était en liesse. Ouais. Chaque fois, monsieur dit bêtises, mon vieux content. Donc, monsieur continue de dire bêtises. Est-ce que mon vieux prend pour bêtises? Parce que mon vieux ne prend pour animation. Ce que j'essaie de dire, Junior, c'est que ce n'est pas lui le problème. Il est resté lui-même, il a continué ce qu'il a toujours l'habitude de faire. Il continue de faire ça, l'habitude de faire, avec un public qui est content. Elle dit, monsieur, venez le dire, 1, 2, 3, 4, et puis tout le public l'a tombé. Répondre, si Lili, tel, tel bagaille. Ça veut dire que moi-même, pour interviewer avec Michel Martelly et le Pacifique, chaque fois que je suis ici, aborder le sujet, si Lili, gentiment, je me fais comprendre, ah, moi, je ne sais pas, l'émission, ça, il n'y a pas qu'à faire. Il était plus ou moins, il était respecté, le tout. Mais les messieurs sont sortis dehors, la radio. Monsieur qu'on fout le capitaine de dehors, et puis monsieur en est sauté, et puis il a tombé 10 paroles là. Il n'y a pas de modèle, mon deal. Donc là où bon, c'est il pas missionnaire moment. Non, mais là où bon problème. Mais là, mon point c'est que au bon problème, c'est société avec problème, c'est pas monde avec société. Parce que quel que soit monde dans vos deux, les profondes sociétés qui hébergent. Philippe Saint-Louis, mon connon ou son qui songe toute barre, parole avant même que dans la rubrique là. Michel Martelly, il me songe l'aime inche, me songe me soit pas attaqué, musique. Les montrer Port-au-Prince, je ne l'ai pas attaqué Tivais. Bon, rien Tivais a venir passer entre lui même avec et Karimi, il était font texte sur Karimi. Moi, je regarde le parcours Michel Martelly. C'est seul qui a dit 4 ans. Le Michel Martelly dans l'élection, il dit que le président de l'Église dit ouf. Michel Martelly, président, comédien. Je me dis, monsieur, mes parcours, je ne suis pas jamais perdu dans rien. Donc, son nec, il faut toujours que le monde ne l'attaque. Et son nec, moi-même, respecte, monsieur, moi-même, monsieur Combatis, respecte, monsieur, c'est ça. Ça m'a pas fait dans l'histoire déjà. Pour un nec, président, puis remplaçant, c'est vous-même qui apparemment mettez. Donc, bon, bref, moi, ça, je dis, moi, parce que j'aime dire, monsieur, c'est produit une société qui est malade. C'est ça seulement lié. Ça veut dire que monsieur comprend une société, monsieur compte tout côté le calé, monsieur compte tout ça le café, il n'y a pas de ligne rouge. Et c'est pas Michel Martelly seulement. Ça veut dire qu'il n'y a pas les noms pays, c'est que vous avez l'impression qu'il y a deux nègres, même sur le plan politique, qu'il y a deux nègres qui changent de position, l'idée ou dit, ou n'y a pas de colonne vertébrale. Ça, ça, même. Nègre, au moment où tu es à droite, au moment où tu es à gauche. Ça, il y a un problème grand goût à faire ça. Mais où rend nous compte, il n'y a pas. Seulement. C'est grand pour toi, Philippe. Oui, il pas, mais il faut parler au niveau de tête pas cette pays autour qui approuve tout le bagaille en fonction de tes intérêts. Ça veut dire qu'on doit avoir l'impression que plus les gens ont menti, plus les gens ont position, il faut que les gens viennent plus fort. Ça veut dire que les gens qui sont au pouvoir, les gens ont tellement changé de position dans la figure du monde, les gens ont tellement monté les colonnes vertébrales, et puis le discours a continué. Problème sociétal. Problème sociétal. Pas de problème. À question osée, réponse osée, action graphique. Bao! À question osée.
c'est réponse Osé Philippe, ça c'est plus mon pas l'écrire. Et puis on va faire geste ça pour nous parce qu'on est normalement faut qu'on fait comme ça, on pas compte qui m'ont utilisé et on répéter après. Okay, et pas de doute sur ça pas répéter après ce quand même, on pas de bouche surette. Sur ma foi, mon honneur et en toute conscience Je prends solennellement l'engagement. En participant à Pilouin Kézier. De dire toute la vérité et rien que la vérité sur toutes les questions qui me seront posées. Oh, après son j'ai les mots. Bonne nuit, Philippe Conchet. Soit accepter à tout ça, nous dit là, on juste mettre signature. Et puis nous-mêmes, nous justement, et valider. Et une fois que nous valider, ça va être comme résultat. On va répondre des questions qui. Ou que t'as fini? Ok. Pas de problème. Philippe Saint-Louis, si ça arrivait déjà, ou beau avec un fille qui a une mauvaise haleine? Non. Comment faire qu'on est? Ça veut dire, toutes filles ont testé toutes déjà? Bon, d'après ça, là. Eh, bon, ça arrive, Philippe, si on va gogo. Et si on va gogo, ça arrive, ou pas, ouais, si on a un petit problème haleine, non? Bon, ça va arriver souvent que on va gogo. Ok. Et est-ce que ça arrive déjà Philippe Saint-Louis joue en pile bolette? Et ça arrive que me jouer en pile, pas vraiment. Pas vraiment. Qui ça reproche au plus dans la vie de Philippe Saint-Louis? Et. Comme toi, autorité. Ok. Qui promet scène jalousie Philippe? Et. J'étais très jeune, de mon petit ménage. Et puis, mal surpris de sortir du cinéma. Avec mon autre jeune. Avec mon autre nègre et collège canapé. Ok. Ciné canapé. Ciné canapé. Ok. Et me suivre à pied. Jalousie à pied. Mais à l'époque. Le monsieur Beaufia devant porte là pour manquer mon. Oh, mon bar. Oh, t'es qui t'as perdu Fia? Non, perdu Fia. Ah, joue faire la tomber dans l'eau et pas jouer à le pourri. Philippe, est-ce que ça arrive déjà au fil des deux bons amis? Oui, ça arrive. Ou pas bon? De bon. Dans tous les deux. La femme. La femme des jeunes. Ben oui, bon, Philippe, belle hauteur, et puis Philippe a cassé mon nom. Ça veut dire qu'il y a deux principes que je ne suis pas supposé faire ça. Ok, ok. Mais pour ne pas supposé faire ça, tout le monde était d'accord. Eh oui. Peut-être à l'âge vieux, il n'y a pas d'accord. Est-ce que ça arrive déjà, Philippe Saint-Louis fait l'amour avec deux soeurs ou bien deux cousines? Non, ça va arriver. Bon, on ne connaît pas tout. Bon, si ça arrive, je ne connaît pas. Ok. Combien de fois, en fait, Philippe Saint-Louis dit tête-li, il fait l'amour par semaine? Comme on fait des mois en bafel. Il faut pas préposer la question ça. Oui, non, ma préposer honnêtement. On fait des mois en bafel. Ok. Il y a deux semaines, il y a cinq, il y a six. Oui, parce que l'on fait des mois en bafel ou quoi, ou débordé. L'on fait le mot, qui j'ai de gémissement ou gagné? Bon, gémissement, un garçon qui a toute virilité. Ok. Vous faites une belle marketing pour être là. Et qui j'ai de réaction, tu as bien sous ta apprendre? Et ou bon petite fille? Qui est enceinte pour un DJ ou un rappeur? Bon, je t'appelle très mal, même d'après compagnie. Oh, Philippe, je t'appelle très mal. C'est mon élite, même mon nom. Bon, je t'appelle très mal parce que c'est pas ça que je souhaite pour visiter le film. Ok. Je t'appelle respecter le choix, mais c'est pas ça que je souhaite. C'est pas parce que je voulais un DJ, non, c'est que moi-même, et milieu artistique, là, comme lever la donne, tellement, ouais, l'orbe la donne, je t'aurais dit que je t'appelle même réaction, c'est son chanteur, c'est son musicien. Ok. Et, bah dans ce petit film parce que c'est ça le gars comme mari parce que là on a fait un musicien à DJ mon ami m'a présenté beaucoup tôt. Ok, même j'ai un footballeur tout. Qui ça qui a tiré au lac avant Philippe Saint-Louis? Sur le plan physique. Bon, ce sont questions qui lag. Donc je veux pas te répondre, nous libre. Bon, moi mon monde qui simple. Ok. Et moi mon monde qui classique, ça veut dire que le bail classique qui est important pour mon fils. Moi, mon monde qui a une éducation, mon monde qui a une certaine formation, mon monde qui a un rêve, mon monde qui a un projet. Et au monde qui est indépendant de tout. Qui est indépendant. Qui ça qui a tiré là, car un garçon? Bon, Zamim, son seul bail qui est important pour la relation avec le monde, c'est honnêteté, au franchise. Ok. Et c'est le plus important. Qui donne l'effort pour mentir pour ne pas parler avec là? Pas bon mentir. Pas songer ou pas bon? Non. Pas que tu es prison. Est-ce que ça arrive déjà si tu es prêt à virginité, madame? Non, je n'ai pas de chance. Ou déjeuner l'école là. Mais pourquoi j'aime prendre virginité de Gaston? Oui, ça arrive. Ça arrive. Paul a dit, l'homme prend virginité, mon nom, tu as supposé qu'il y a une lettre. C'est pas ça que fait, malheureusement. Ok.
Et bon, qui partit dans quoi qui est plus sensible, Philippe? Bon, je ne sais pas, tout, tout comme ça. C'est... Ok. Est-ce que l'abdomen ronflé ou bavé ou manger dedans? Et bon, ça, c'est le monde qui dormit avec moi pour te répondre. Le monde qui dormit avec vous. Est-ce qu'on a identifié et y a un monde qui fait menace déjà, menace de mort? Pour me citer non? Mais non. Bon, même si c'est du passé quand même, on y a non, connaît. Non, je ne sais pas. C'est ton garçon? Bagessa. Ah, on bagessa pièce. OK. Et deuxième fois fait expérience boss. C'était même genre la première ou bien ça t'est bon envie continuer? Bah, j'aime fumer boss. OK. Et chaque temps mon dit il va fumer, me faire référence à Tidjozini qui dit c'est boss là, il fait Paul Gratil et il est pas fumé encore Tidjozini, Jésus. Wow. Et my guy. Est-ce que ça arrive déjà Philippe Saint-Louis masturber tête lui? Bon, la jeunesse fait tout le temps, tout le temps. OK. Combien cob en fait Philippe dépensé pour le faire business là au total? Et à peu près 200 000 dollars. Donc 200 000, alors faut préciser. Américain ou américain? Américain. OK, est-ce que ça peut qu'on jamais arriver Philippe Saint-Louis à la toilette et puis pas gain papier? Ça y est, ça y est. Et qui j'en sorti dans bail ça Philippe? Et ça y est, ma province et Plaisance. Ou monte pantalon? Non, fais ça tout le monde fait. J'ai fait boire au Suède. Ok. Ça, quand vous l'avez vécu, l'autre ménage ou bien madame? Non. Pour qui ça va faire? C'est mon monde pays pour faire ça. Ok. Qui sont après mes yeux qui sont tombeaux? Leur mourir? Pour me reposer un peu. Ça va que j'aime arriver Philippe Saint-Louis participer dans la Cadejac? Non. Ok. Si vous avez mené un petit micro-trottoir autour de tout le monde qui travaille dans la Cayapi, est-ce qu'il y a besoin de tout le monde de bonnes révélations sur Pipo? Je pense ça. Vous pensez ça. Donc, vous n'avez jamais deux personnes? Non. Ok. Et je ne vais pas demander sur Philippe et Damien parce que vous avez raison. Vous avez dit que vous avez une télévision ici. Monsieur Ratiboise, télévision. Ratiboise. Ça qui arrive pour nous intéresser, nous comprenons pour éviter que nous fragilisions toute institution. Mais ma vie, ils sont avec un dossier comme ça, parce que harcèlement sexuel dans l'administration publique, tant que privé, il faut que ça campe. Ou bien mourir pour lui, ou bien nous prendre nous, monsieur, dame, fille ou fait, garçon ou fait. Fille fait Sophie, nous n'avons pas de problème, nous avons un temps de sous, mais nous n'avons pas forcer mon nom pour le faire. Garçon ou plus mal toujours, il a révoqué. Directeur Samabzoula, il a dit qu'on mette mon travail dans la nuit. Et puis, comme si on commence à travailler à 4h à 1h du matin. Ce n'est pas machine de télévision qui a mené à aller, non? Machine pâle. Je dis, still war direct. Pas de problème. Mais pourquoi j'aime violer personne tout? Non. Ou sûr? Certain. Ok. Et. Qui j'ai aimé le coucher dans 5h comme si on a gardé? Qui vise à j'ai aimé? Alors, si ce n'était pas par balle. Parce que par balle là, ça parle pas quand on prend. Ou à mourir fâché quand même. Bon, je vais mon visage reposé, mais si vous n'êtes pas gardé dans ce cas-là, c'est ça que je tape. Non, mais pas gardé, puis bon. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Ou pas comme ça, tu restes dans la vie? Hein? Et ça arrive chaque jour en Haïti. Combien de temps vous êtes au Chili déjà? Pas combien. Ou pas combien? Bon, dans la génération, vous n'avez pas vraiment entendu de ça, vous comprenez? Mais quelle compréhension de Chili en quelques secondes? La compréhension, c'est que son jeunesse qui est fatiguée, qui est désabusée, et qui paraît demain et puis qui cherche comment évoluer. Pas de problème. Philippe Saint-Louis, une bon, liste de jours là. Mais avant de faire, si tu apprends que le ménage est là, en sept points, l'autre nègre, qui t'apprend en fait de réaction? Non, aucune réaction. Je souhaitais que le nègre l'occupe petit. Pour l'occuper petit? Ouais. Si fille a pas de vous mettez ça tout. Parce que fille a choisi pas de bel. Parce que après elle a un programme, elle dit que les gens ont 9 mois. Vous comprenez? En fait, liste de jours, ça Philippe, je parle de pour dire qui est stade qui arrive sous, tendez bien pour eux. Si vous avez sous déjà, sous monde, raqueteur, vicieux, figuipla, sans caractère, mange à terre, pas dit merci, vagabond ou pas monde, homosexuel. Bon, homosexuel, je me souviens de dire, et bien, il y a qui finit là-bas, français ça. Je me disais, Massissi, il finit. Parce que pour le sentir pour c'est humilié, il faut que Massivine ou Massissi. Quand il y a là, il commence à pas ajouter sous lui, il met l'autre bas toujours. Mais en attendant, c'est ça qui est à la mode. Est-ce que y a deux jours, ça qui arrive sous? Non. De qui vous parlez pas à la personne?
Bon, pas de monde qui j'aime traiter de ça. OK. Par contre, si vous connaissez le derdome, mais en face moi, pas j'aime les monde qui. Non, derdome, c'est sûr que il parle tout le monde mal. Son personnage public, moi, donc c'est sûr que mon gars cap dit lui, mais au monde qui capait en face moi pour dire ça. Non. La dose du jour, action graphique. Jingle. Chaque monde en Haïti, je vous dis, a un téléphone dans mail. Gien qui gien smartphone, gien qui gien yo kana. Mais chaque téléphone ça connecté dans une compagnie quelconque, Natcom ou bien Digicel. Bel dossier. On connaît tout le monde content, yo pral tande ki ça m'a dit jodiyan sous deux compagnies ça yo qui érigé tête yo en de véritables voleurs de data, voleurs de minutes, voleurs de tout ça qui existait comme service en compagnie ça. Je vraiment désolé parce que si vous parlez aux voleurs, si vous parlez aux palo mal, service ou vendre comme ou prend, faut que vous mettez service de qualité à bac. Je ne vous dis là, quel que soit haïtien qui a un téléphone non mais il a un problème quelconque avec la qualité service, faites moi confiance, son haïtien qui pas utiliser téléphone du tout. Comment qu'a imaginer ou un téléphone non mon ou font appel mon achète à Bogoto ou tester compagnie, téléphone n'a pas sonné, l'autre monde n'a pas la sonné. Immédiatement, on va contrôler, on fait étoile 10 ou date telle là, il va ou perdu comme là. Côté comme ça, l'eau baronne, l'aller dans main, compagnie, ça a son vol. Et son vol organisé de manière systématique. C'est-à-dire qu'on connaît que c'est volé, qu'il y a vol. Il n'est pas normal, non pays, côté pas de travail, téléphone nous donne distraction. Et puis, pourquoi voler comme ça? Non seulement compagnie ça yo contribuer pour faire jeunesse là sali jodi hein, parce que si mon enlevé là depuis pas gain data sur téléphone il va à l'aise quand gain data coucher sous dolphin manger spaghetti bien ou bien font chasse en tête li l'a tande petit souite là l'a tande programme dans tel ou tel base là c'est dans téléphone là li pour voler moun ça pour voler compagnie téléphone là instance qui là yo Conatel et l'état même qui ça nous dit nous pas utiliser téléphone ça yo. Qui ça nous fait? Qui ça nous fait comme. En fait, qui ça nous dit yo? Règlement qui ça yo? Yé les avions entrer dans le pays. Est-ce que y a des bagailles mesquins cachés entre nous et avec yo qui fait nous pas jamais parler? Parce que toute émission de radio qui dans le pays, dans la télévision, nous yo plein. Je ne dis à la manifestation, crasé vite, moun, crasé brisé. Haïtien tellement bon comportement. En fait, je ne connais pas qui j'aime ta parce que je ne pas le dire tout pour ne pas parler tout le monde qui a joué haïtien. Si je me dis que je vais nous matin là, ou bien après-midi là, ou bien jeudi là, pour nous faire une manifestation contre qualité service, compagnie ça, compagnie de téléphone ça va bien envoyer, faire une confession, je ne pas besoin de 100 personnes qui viennent. Mais tout le monde qui a téléphone qui a plein, 10 000 volets minutes, ils volent le vrai. Nat comme volet data, ils volent le vrai. En fait, qui ça nous y est? Est-ce que nos pays tiers de Haïti, nos pays pauvres de Haïti, en fait, besoin de toute qualité de bagaille ça? Bon, voilà de là, l'aller. Et j'en vois l'aller, c'est avec un peu humiliation. Diesel vient de mettre en 2000 ou vient de mettre son dégain là bon l'autre. Parce que les vins font concurrence. Ils sont compétiteurs liés. Et puis tout le monde veut entrer dans la logique là, nous aller. Moi-même, on dit nous ça déjà, on fait 4 continents mal en pile pays dans le monde. Beaucoup de gens passent dans le pays dans le monde qui vient appel entrant gratuit, appel entrant payant, ni appel sortant payant. Tout pays ça honnête, ni entrant ni sortant tout gratis. Yo fait comme là dans service yo, dans internet là. Yo vend nos téléphones, yo bon téléphone de qualité. Si ou achete ton téléphone en fait on Samsung ici nos compagnies de téléphone. Il n'y a pas même qualité avec Samsung ou acheté à l'étranger. Pour qui ça? Ça, c'est un vol, monsieur. Je ne peux pas mourir, puisque quand même, les gens qui peuvent mourir, c'est les gens qui choisissent vivre. Je n'ai pas comme avec Digicel, météo. Il y a gens qui cachent dans le téléphone, ils relient nos émissions, qui disent, ils volent les minutes, je ne sais pas qui est, mais je ne sais pas le visage. Pour me dire que, monsieur, ce vol, ça, il n'est pas bon. Comme nous venons avec un comportement de caniveau, ils sont obligés de parler avec nos gens. Parce que grosseur monde que nous cap dirige compagnie ça qui si moi même qui sont en dehors dernièrement là en 2001 ta ka vinn di nous voler. Oui nous voler vrai nous très voler pas respecter population. Bon,
peut-être que il y a des compagnies là qui déjà vendent ou bien pral vendre, il a fait nous ça après nous là. Mais nous besoin téléphone pour nous communiquer puisque j'aime toujours dire 200 ans avant aujourd'hui nous avons besoin de terre. 100 ans avant aujourd'hui chaque monde nous avons une machine pour être à la mode. Mais aujourd'hui nous avons besoin de communication et téléphone dans la dalle tout, internet dans la dalle tout. OK. Donc Digicel avec Natcom peut m'indexer directement sans langue de bois. Si nous pas porter amélioration dans qualité service que n'a vendre yo, faites-moi confiance, c'est sous 100 peuple à nous marcher. C'est sous 100 monde qui a consommé service que nous marcher. Il est pas normal. Il pas jamais normal. Je dis là on va attendre tout on a dit il connou attaque au gros gars ben bagarre t'a bien parlé. Mais si mourir n'a attendre ouais écoute je lire il mourir. Parce qu'il t'attaquer grand capitaliste ça, capitaliste qui pays en Haïti. On peut cap vivre en dessous de $2 US et puis nos capitalistes là alors pas de problème pour nos belles poches carrées nos machines de $200 US dans pile fatra avec cob data cob minute et petit peuple là et pour les têtes ou grand nègre ou bien vivre ou dans week-end Miami ou à Hawaï ou Dubaï et l'autre plage en Haïti et puis sous qui ça est monsieur bon Dieu cap garder nous et si nous pas prendre conscience là je la caler nous n'a saisi ouais ça. Nous pas ouais ça, un paquet de monde dans le monde qui plein comme des bouts de cancer on a d'ailleurs. Raison simple parce que il y a des crimes que monde ça a fait que on pas arrêter ou pas payer. Faut nous pas sa tête, nous pas sa petite nous. Pense avec entourage nous là nous prend sans peuple là. Et puis tout parlement, c'est pas chita seulement comme si gros parlementaire avec costume tout mal fait sur nous bien fait et puis n'a garder bagage ça nous pas jamais rien. C'est nous même qui instance régulateur ou bien j'aime pas connaître. Parce que nous n'avons pas de nom, nous n'avons pas de gens, nous n'avons pas de façon pour attribuer nous. Qui ça nous dit? Qui ça nous fait? En fait, responsable et président de la commission de communication dans la chambre, qui est nous le directeur qu'on a tel pour nous dire, viens expliquer ce qui se passe dans le pays. En fait, si l'État central, pas de connivence avec deux gens de vol, ça. En sérieux. Comme si pour nous accepter, on est qui sont en province, là, va dire nous voler. Voler pas jamais bon. Son seul volet qui est pardonnable, c'est ça qui est volé, grain clou qui t'a péché Jésus, t'es prêt 4 grains. Après ça, tout volet, c'est volé. Impossible, monsieur. Prends conscience, si le peuple a consommé nous en pile, actuellement, on a pile de gens qui ont aller dans le digicel, ils ont vini, vini poter tête comme les gens qui parlent dans le débat volontaire. Pour qui sont dit ça? Ou vendre compagnie, ou bien, on a fait compression, monsieur. Je suis obligé de rire, nous, parce que quand même, le peuple a égaré, nous pas égaré. Mais Digicel avec Natcom, Jean-Paul l'a dit, mes bagay. Parce qu'il faut nous prendre conscience. Bon, nous faire ça, nous avons tué, nous avons pas sauté ça. Rive dit, nous peut nous, c'est arriver vivre avec ça, nous femme là. Moi-même, nous perds 10 minutes déjà. Nous faisons plein, nous avons 10 000 gouttes sur le téléphone Digicel, après plein, nous faisons plein. 2 000 gouttes, après plein, nous faisons 38 gouttes. L'aimer nos amis dit, de vous quitter d'attendre, arrive à 100 mégabytes. Et Digicel touché. Je pas dire non, on pour qui ça me dit non parce que on pas côté pour me porter plainte. On pas gain côté pour me porter plainte. Côté pour me porter plainte, c'est là, c'est devant caméra pour me dire Digicel avec Natcom. Nous fait ça, il pas bon. Faut que nous cesser crime ça. Crime son crime lié, son crime et l'état tout. L'état, nous pas monde qui dans l'état, nous pas servi avec ça, j'ai deux téléphones ça, nous pas qu'on qui problème internet. Pas la même non, pas la même monde qui dans l'état qui a dirigé. Comme si nous pas ouais ça. Si même j'en ai grand train de maquette, un gros chef lui maquette là et produit expiré, il saute, il prend l'autre qui pas expiré. On saute en pile et chef là fait ça. Pour quelle raison? Il a changé, même ça il oublié mettre 2019 là comme date d'expiration. Ou mangé quand même. Ou très sot ou quête même côté intelligence nous y est. En tout cas, on parle en pile avec aujourd'hui à Digicel, faut que nous porter amélioration si nous existons toujours. Puisque quand même, son boîte quand même qui l'a, et pas connaît qui s'allie. En fait, m'a dit nous que li pa bon peuple a souffri avec présence nous comme étant des voleurs, que yo wè, que identifier la justice pour que j'aime dire, bon la justice tout, bon bref. Parce que quand pile dans la justice, ça n'est pas de problème. Ma fond papier sur ça, monsieur. Actuellement, là, gros problème dans la justice, ça n'est pas de gros chef, y a volé dans le pays. Pas de problème, c'est petit dessaline que nous y est tout. Nous avons volé, nous avons pris, mais pas oublier, on joue pour chasser, on joue pour gibier. Ayman Junior Rigolo, Action Graphique, vous êtes très bien.
Philippe Saint-Louis, pour nous finir. Philippe Saint-Louis, avant de finir, même, t'es bon texte ou t'es écrit sous cigarette. Et c'est ça, c'est pas ton contraste. Parce que vous fumez en pile. Vous fumez en pile, vous grillez local. Et puis, où est le contexte sous cigarette pour dénoncer qui ça, Philippe? Bon, ça veut dire que cigarette, c'est le genre de bêtises qu'on fait et pour conscient qu'on fait. Donc, David Dupou, tu as besoin d'un texte sous cigarette. Uh-huh. Et, bizarrement, je t'ai demandé mes colis. Bizarrement. Donc, mes colis, quoi. Et puis, j'entends derrière là, Philippe Saint-Louis, style à fumer. Ok, mais Philippe, nous venons faire un show à la rue. Et Philippe, nous sommes bien contents sur le plateau. Et je sens que nous partageons un très bon moment et de très bonnes vibrations aussi. Et Philippe n'a pas changé, Philippe était même lui-même là. Mais si tu as un bail pour ajouter, puisque quand même, on ne peut jamais finir parler, Philippe. On ne peut jamais finir parler. Donc si tu as un bail pour ajouter, c'est qui ça le tapier. Et puis comment tu vis le moment avec nous. Et sur le plateau, bien plaisir. Bon, et bon, commencez par la deuxième question. C'est ton moment qui est très agréable. Moi, mes staff là, moi, mes équipes là. Et je dis à nous, pas tout le monde là. Il y a plusieurs monde qui va là, je dis. Donc, atmosphère la conviviale, et bah, c'est nous mettre mon à l'aise. Donc, je suis très à l'aise. Et plus que je pensais que je suis à l'aise. Ok. À vrai dire. Et puis, bon, qui ça m'a ajouté? Et je pense que je dis, c'est peut-être un message pour la société. Je me dis, il faut nous tracer les lignes déjà. Il faut nous mettre des balises. Et il faut nous faire citoyens qui vivent dans le pays. Ça. Et arriver à certitude que vous pas qu'à faire ça. Je crois que c'est le plus gros problème ici, c'est que tout le monde fait ça. Vous voulez. Et vous franchit tout interdit qui en vigueur dans n'importe société moderne. Et puis vous la gueule la figure. Je pense que la société a une ligne rouge. Et pas de monde qui a levé sans pas la crainte dans ces deux bagailles. Il faut qu'on ait des bagailles café, des bagailles pas café. Et s'il fait tel bagaille, il a bon sanction. Tu vois, à bonne punition. Donc, si mon message que je vais envoyer, c'est ça. D'ailleurs. Il faut que nous tracions les lignes rouges là. Il faut que nous arrêtions des rives là. Il faut que nous récompensions l'excellence. Il faut que nous arrivions sur la thématique ça, l'homme qu'il faut, là où il faut. Tu vois, je crois que c'est ça le problème. Là, nous avons pile de monde qui est en position et puis qui n'est pas qualifié pour position ça et puis qui est destiné à vivre nous, la mer. Tu vois, tout à l'heure, nous avons parlé de problèmes téléphone, genre de baïsao. Justement, c'est par rapport à l'ingouille. Tout le monde fait ça, vous voulez. Il n'y a aucune réaction en retour. Nous acceptons tout le bagage. Nous avons une bonne zombie. Nous avons une bonne bœuf qui a mené à l'abattoir. Et puis, nous allons aller docilement. Donc, nous avons un moment arrivé. Il faut nous lever tête. Nous faut nous ramasser le caractère. Nous, et puis, pour nous combattre le bagage qui est inacceptable. Vraiment, deux dernières questions. Deux dernières questions avant d'aller, Philippe. Est-ce que. En 45 secondes, dis-nous, le WAP quitte Radio Galaxy, qui s'est gagné exactement? Pas rien qui fait me quitter Radio Galaxy, et me quitter Radio Galaxy après 12 janvier. Et Radio Galaxy était pratiquement crasé tout. Et puis, l'un des gens qui a fait une émission en battant, tout ça, mon cher, je n'ai pas de mal fait émission en battant. Et puis, entre temps, il y a un jeune lui-même qui fait sacrifice à le prendre en battant. C'était Mike on the mic? Non, pas Mike on the mic. Quoi, c'était. Monsieur. Oh, Rubens Constant? Duc. Le Duc, monsieur. Yeah, monsieur était l'autre bord, monsieur son réfugié économique. Monsieur Orlando. Monsieur Vinal Feli. Et puis par la suite, les galaxies viennent changer local, ils viennent retourner la Baptiste. Le local qui est normal. Et puis, les gens viennent relever encore. Pour mal continuer, je me dis, je ne vais pas faire ça. Parce que le moment difficile, là, c'est monsieur qui est avec nous. Donc, je ne vais pas prendre place, monsieur. Ok. Dernière question. Est-ce que ça arrivait déjà, Philippe Saint-Louis? Faire l'amour avec deux filles en même temps. Et peut-être ce sont très belles questions, mais ce sont questions tout. Sous le gars, on va répondre. Ça qui arrive, on dit, bon, on fait comme ça. Vous comprenez? Et puis. Pas rien, bon. Tout ça, on a fait dans la vie, c'est expérience. Oui, on fait expérience. On fait expérience, ça. Merci tout le monde qui a regardé chaud ça aujourd'hui avec Philippe Saint-Louis. Philippe Saint-Louis qui passe deux présentations. Merci Stainless, Hailey Makeup. Merci Richard Store pour la façon qu'il m'a habillé. Merci. Axiom Graphique, merci tout le monde en général sur Internet, merci tout le monde qui est dans la ville de province. Je dis que ça a passé 5 mois chaque semaine sur Télé Armani. Nous et en fait bénédiction parce que nous faisons paraître au monde qui est intéressant dans nous. Dans 5 mois, sans oublier,
dans grand Orlan tout chose a passé sur paquet de télévision que moi-même pas même au courant et s'il a passé donc Patrick Monsignac met devoir au propre ça veut dire que et bah au choix plus rapide parce que Junior Regulo 2027 on va jamais connaître. Bon, c'est une blague en tout cas, merci tout le monde, rendez-vous sur page Facebook Pilon Kézian qui a 253 000 followers et puis 155 000 followers sur Instagram. Donc c'est quelque chose. Nous allons en fait commenter ça. Philippe t'a dit, j'en te comprends Philippe, m'attend tout commentaire parce que m'va coucher sous dos pour me lier avec un pile intérêt. Ayman Junior Rigolo Pilon Kézian est en position d'autorité, tout ce qu'elle dit le ciel l'approuve. Action graphique. Jingle. Mais il a quel conseil pendant le président pour la simple raison que mon société qui absorbe des rives libres. Ça a dit monsieur voyou bal route la population ba yoya monsieur bal terrain. Mais même Michel Matelisa qui peut être très agressif avec journalistes s'il est opposé la question, même Michel Matelisa son plateau en France côté gain de journalistes qui a coincé et puis qui fait le tout petit. OK, me fait me suivre yo à pied. Jalousie absurde. Mais à l'époque les monsieur Beaufia devant porte là manquer mon. Oh, mon ba au tégué ta perdu fia Philippe. Philippe, est-ce que ça arrive déjà au filet de bons amis? Oui, ça arrive. Ou pas bon? De bon. Dans tous les deux. La femme. Et, deuxième fois fait expérience Boz, c'était même genre la première ou bien ça t'a bon envie de continuer? Bah, j'aime fumer Boz. Ok. Et chaque temps, mon ami va fumer, il fait référence à Tidjozini qui dit c'est Boz là, il fait Paul Gratil, et il n'est pas fumé encore. Tidjozini, je dis wow. Est-ce que ça peut que j'aime arriver? Philippe Saint-Louis à la toilette et puis pas gain papier. Ça y est, ça y est. Kézier, c'est aftershock là. Pilon Kézier, c'est remède pour Zia. Pilon Kézier, c'est parole en pile là. Pilon Kézier, c'est fanatique, c'est internet là. Pilon Kézier, c'est rendez-vous chaque dimanche sur télévision Caraïbe, 8h. Pilon Kézier, c'est moi qui barre là. Hey! Tando Jolé, on va qu'on rigolo. Pilon Kézier?